Split, il y a eu un gros bug avec Streamlabs au niveau du son. Est-ce que c'est mieux? Ça lag un petit peu. Est-ce que c'est mieux ou pas? On est où là? Parfait, bah oui, c'est parfait, mais du coup, c'est pas le bon logiciel. Je voulais maintenant les petites features, là, les trucs comme ça, mais bon, je ne l'ai pas, tant pis. Écoutez, on y va comme ça. Alors, j'ai l'impression que j'ai plus Deckmaster. Ah putain, décidément. Alors, attendez, je ferme le jeu, je rouvre le jeu. Oh là là, on était en plein dans les problèmes techniques. Vous allez voir, une fois que tout ça ce sera propre, on va tellement passer de bons moments ensemble. Et pour l'instant, effectivement, j'ai encore quelques trucs à régler. Pas de prise de tête, tout va bien. Non, je me prends pas la tête, c'est juste. Ah, j'étais content de vous dire. Regardez, on a fait du bon boulot avec Soe. Ça n'empêche pas le fait que Soe m'a bien carré hein, sur pas mal de choses. Mais voilà, écoutez. On oublie ça, on va streamer normalement, tant pis pour bah, du coup les gens qui follow n'auront pas le petit truc qui apparaît, là je trouve ça très très joli. On va y aller, et puis voilà, demain on va essayer de gérer ça avec Megasure. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Merci en tout cas à ceux qui nous ont rejoints par les raids, merci à ceux qui m'ont raidé. Vous arrivez un peu au moment bizarre, mais c'est pas grave. Hier, j'étais sur une bonne lancée où je jouais bah, tous les decks qui me plaisaient, qu'on fait top 128 au MCQ. Et en fait, depuis, du coup, j'avais créé quelques decks, histoire que j'ai pas à les recréer à chaque fois. Je crois que je m'étais arrêté. Voilà, je crois que je m'étais arrêté là, quelque chose comme ça. Mais voilà, je m'étais arrêté à Dread Horde, à cette version-là de Dread Horde. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un Mass Manipulation que du coup, on était passé dessus parce que j'en avais déjà joué beaucoup. Donc là, je vais le tester tout de suite. Et après, voilà, je vous ai préparé plusieurs autres decks. Vous allez voir, ça vient pas que du MCQ. Donc des choses un petit peu machin. Et puis Maldini qui me re... Bah, c'est vraiment très sympa à toi hein, de me sub. Alors à noter que maintenant, alors actuellement c'est dégueulasse dans le sens où c'est un bouton qui est un peu moche fait par défaut, mais j'ai rajouté un petit bouton donation en dessous là de mon live qui vous prouve que je commence maintenant. Ah vous allez voir, ça va, cette chaîne va augmenter au fur et à mesure. J'ai tellement hâte. Je pars du niveau bon zéro de Twitch et on va essayer de monter comme ça avec des mecs comme Psychotic Raven qui m'a aidé notamment sur Discord, avec Little Monkey aussi qui m'a pas mal aidé sur Discord, et sur Twitch et Soe, hein, on a resté pas mal de temps au téléphone aujourd'hui pour essayer de. Il m'a un peu appris les petites ficelles. Donc voilà, maintenant vous pouvez me donner soit des bits, soit de l'argent, enfin, c'est pareil, mais bref, directement une donation PayPal ou carte bleue. Je ne pousse pas à ça. Pour le moment, je dis juste que j'ai réussi à mettre un bouton de plus sur mon panneau, un panneau de plus, et que c'est magnifique. Merci à Little Monkey qui s'est du coup abonné avec son Twitch Prime. Et regardez, j'ai mon petit Wizbot maintenant, je me suis mis un autre robot qui dit qu'il y a un new sub, c'est magnifique. Bon, merci à toutes et à tous. C'était compliqué comme des départs, mais vous allez voir, là, ça va très bien se passer parce qu'on va jouer ce Mass Manipulation version Bant avec notamment Tolsimir, qui n'est pas une mauvaise carte en soi, mais qui est quand même assez sous-jouée. 4 Teferi, bon, c'est, je pense, pour ça, principalement, qu'il a voulu jouer un peu de blanc. Et du coup, on va pouvoir y aller gaiement. C'est parti, jouons à Magic. Bon sang de bonsoir. Et après, j'ai plein de vous aider, petit deck un peu sexy, je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin, sexy. Un poil originaux. Disons que ça reste dans ce que j'aime bien, mais il y a des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais un petit peu comme celui-ci, Tolsimir, qui du coup, il y en a un hein, dans le deck, hein, on l'aura pas forcément. Mais le mec s'est dit bon, je vais pas jouer blanc que pour 4 Teferi, ça m'emmerde, je vais rajouter une petite feature, et donc c'est ça. Alors, joue en premier, ça paraît bien. On a une main qui est dégueulasse, mais qu'on va quand même garder, parce que de toute façon le but de ce jeu c'est d'avoir du mana. Et là en l'occurrence j'ai plein de mana dans cette main. Non, et puis surtout que mulliganer c'est toujours un petit risque. Je pense que si la main est à peu près ok, on va la jouer. Et puis bah, ça permet de savoir si c'est un bon move ou pas. Hier j'ai gagné une game avec un mulligan 6 à Sealand. Je sais pas si vous avez pu voir le live ou le replay sur YouTube. Splash blanc et splash bleu, ça s'appelle Teferi depuis un mois. Oui, c'est un peu ça. Ça me rappelle à l'époque où Tarmogoyf était sorti. Ouais, on va faire ça parce que je sais pas s'il joue un jeu burn ou quoi. À l'époque où Tarmogoyf était sorti, des jeux, bah, notamment Legacy, il y avait un mono noir qui jouait genre des Imdoutourak à deux noirs, enfin voilà, des messes noires, des choses un peu sales comme ça, en mode je veux du mana noir, et qui s'est mis à splasher vert rien que pour Tarmo parce que c'était trop fort. Donc là, c'est un peu ça avec Teferi, effectivement.
On va éviter de se prendre des points de vie, même si à mon avis, on va jouer contre un deck plutôt contrôle. On va mettre une petite forteresse glaciaire, ça manque de blanc. Et on va... Ah, c'était Fontaine Sacrée qu'il fallait mettre, pardon. Je les confonds. Je les confonds toutes les deux. Franchement, les... Oui, non, c'est pas pareil. Il y a juste une sorte de montagne avec un port devant. Et là, il y a juste des grosses tours. Non, non, c'est... J'allais dire que le... Oui, forcément, il y a un peu de blanc, un peu de bleu dans le dessin, quoi. Mais... Je sais pas, Bassin d'élevage, j'arrive bien à le reconnaître. L'autre truc blanc-vert, ça va, mais je sais pas pourquoi forteresse et fontaine, j'ai un peu du mal. Bon, c'est pas grave du tout. Voilà, alors on va plus avoir de Mélodie Enchanteresse et on va lui prouver que notre but c'est de piocher des Crasis. Hier, ça a bien fonctionné, hein, de piocher des Crasis. On va mettre du coup cette fontaine, on va lui remettre un. Et c'est pas une partie qui commence sur les chapeaux de roue, mais c'est pas grave. Le but, de toute façon, c'est de jouer à Magic un maximum jusqu'à 1 h du matin environ. Ça arrive plutôt à point nommé. Parce que sinon, s'il commence à me faire des coups de voleur, ça va être très pénible. Ah, du coup, est-ce que je lui mettrais pas plutôt une blessure plutôt que me prendre. Ouais, je vais mettre plutôt une blessure, de toute façon, là au point où j'en suis. Il y en a quelqu'un qui a priori faisait le Mythic Championship, hein, puisqu'il a les sleeves qui vont bien. J'espère faire le prochain. Go, juste le tuer avec la noire. Bah c'est ça, hein. De toute façon là en plus j'en ai deux. Bon là je peux pas trop attaquer. Ah mais si je peux attaquer en plus. Attendez. Est-ce que je peux pas le faire en éphémère? Quel intérêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le faire en éphémère. Je réfléchis, est-ce qu'il y a un intérêt bien particulier. Il peut mal jouer et poser une bête avant. Vais faire genre j'ai rien. Et comme c'est un rituel et qu'on a Teferi, on peut le jouer en éphémère. Comme on a Teferi, il peut pas nous contrer. Donc autant attendre la phase d'attaque. Même si à mon avis ça va être maintenant. Alors, payer x égale 1. Ouais, je te prends ça. Si tu le veux bien. Ah, j'aurais dû le faire avant pour mettre deux en fait. J'aurais dû le faire à mon tour pour mettre deux blessures. C'est ça que j'aurais. En fait, il y avait peu de chances qu'il fasse mauvais play. Genre, pose un autre et je veux t'attaquer avec le premier. Je pense que c'était un petit peu sous-estimer mon adversaire. Tu peux toujours prendre Negate, Devin's Veto, Absorb s'il pose un bleu. Pas du tout, puisque j'ai Teferi et Fileur de Temps et que du coup ça me protège contre ce genre de cartes. Ah, bah ils veulent récupérer, est-ce que je peux comprendre? Oh, mais la noire vont gentiment péter son Teferi là. Pendant que lui il va à plus 1. J'ai pas la sortie de l'année, mais. On fait des choses. Alors, est-ce que j'ai pas plutôt envie de faire Druidess? Oui, mais Druidess va se faire ça sur elle-même. Oui, elle va se faire ça sur elle-même, ça va être très bien. Donc, du coup, ah non. Du coup, passons aux attaquants. Un sur lui, un sur lui. Est-ce que je fais Druidess maintenant ou est-ce que j'attends quelque chose? Je peux pas le faire. Ah, il vient d'arriver, quel connard! J'étais en mode. Ça y est, je me crois Max Dragon Ball, quoi. Ah, bah oui, c'est bon, elle peut mettre du mana. Bah oui, quand même. S'il m'avait fait Carnarium, j'aurais pas été content. Ah, bah voilà! Ah, mais c'est con parce que si je l'avais fait au tour d'avant, ça aurait été tellement plus gros. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est déjà bien 10. C'est déjà très bien. C'est déjà suffisant pour presque le faire concéder. Ah, une main. Ce qui est con, c'est que j'aurais pu le faire pour 3 de plus. Ça m'aurait fait piocher une carte de plus. Ok. Ah, tu l'as eu un peu trop tard, peut-être celle-là. Enfin, on va pas changer grand-chose. Bon, il me la gère, mais c'est pas grave. C'est pas très grave parce qu'on a manipulation de masse. Est-ce que j'ai bien envie de lui prendre ça? Oui, j'ai bien envie de lui prendre ça. Est-ce que je lui prends ses bêtes? Ça le fait chier. Teferi, j'aimerais bien le placer. En fait, c'est un peu chiant de gâcher manipulation là-dessus. Est-ce que j'ai pas juste envie de faire druidesse, j'attaque, blabla. Et au prochain tour, je fais des choses. Peut-être attendre un tour. Hein. On va peut-être attendre un tour. On va faire Teferi. On va lui bouncer ça de 2. Voilà. On va poser une fontaine sacrée engagée. Voilà. Et on va dire fin de tour. Je m'en fous un peu d'attaquer en fait.
Il est un peu en death. Il va peut-être me poser quelque chose que je vais avoir envie de prendre en fait. Après, ce qui aurait peut-être été malin, c'est de laisser la 2-2 pour qu'il pose justement une autre chose. Là, par exemple, il peut pas curver voleur et. Est-ce que je peux le faire ça? Est-ce que je peux faire mon manipulation? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, carrément, sur deux bêtes, je peux le faire. À la limite, j'aurais peut-être dû bouncer le token. Ouais, non, parce qu'il m'en remettait, hein, c'était chiant. Ok, bah à mon tour, en réponse. Oh, j'ai pas fait le plus. Oh, je joue comme une chèvre. Excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Allez, on va adapter. On va adapter. J'ai encore un tour de toute façon. Enfin, j'ai encore du temps, je veux dire. Donc on fait le plus 1. Ok, on fait une druidesse. Et on dit fin de tour, voilà. Voilà. Et là, à son tour. Ouais, mais bah, il va attaquer. Chier. Ouais, je vais voler deux bêtes, c'est pas terrible, hein. Je joue totalement à l'envers là. Est-ce que c'est pas mon setup qui m'a mis dedans? J'ai limite envie de lui laisser prendre un truc pour qu'il le joue quoi. C'est un peu greedy de faire ça, non? Qu'est-ce que j'ai moi dans mon jeu? Parce que ça va être surtout des trucs qui vont. Est-ce que c'est pas le play genre vas-y, pose tes trucs, moi j'ai envie de tout piquer en fait. Vous savez quoi? Je tente ce play, qui est très bizarre. Je tente ce play qui est de dire, vas-y, tape dans un voleur, va chercher. Merde. Remarquez, je m'en fous en fait. Du coup, en fait, je peux très bien le faire maintenant et c'est très bien. Ouais, j'avais zappé. Ok, bon bah du coup, x égale 2. Te prends tes deux bêtes, merci. Voilà. Peut-être une vrasse, hein. Après, j'ai encore des Teferi, j'ai encore manipulation de masse. Voilà. C'est vraiment de toute façon, je pense, le jeu qui est fait pour niquer ce genre de truc. Donc, c'est bien. Alors, tu notes add comment le nom de la carte. Ah oui, d'accord, tu es en train de gérer. Mais je crois que j'avais pas. Comment add Twitter? Oh, vous êtes en train de créer des trucs dans le chat, je vous laisse faire, vous êtes les meilleurs. Plus vous en faites et moins j'aurai à miss le fait que je le fasse. Voilà. Le fait que. Là, c'était pas bien probant. Donc, contre lui. Mélodie Enchantress, ça l'emmerde. Si on lui pique ça de 2, il est pas content. Manipulation de masse contre lui, c'est peut-être un petit peu mou. Brontodonte, Givre, Tulsimir, pour le coup, c'est pas mal. Ça peut péter sa. Ça, de, ça peut péter ses 2-2 en fait. Il a quand même plusieurs 2-2 qui m'emmerdent. Peut-être faire la masse. Qu'est-ce que j'ai envie de sortir? Qu'est-ce que j'ai envie de sortir? Du mana, je le laisse. Teferi, je laisse. Mystique, plutôt cool. Nissa, j'ai envie de laisser. Ah, j'ai envie de laisser. Est-ce que c'est. Ouais, mais c'est toujours bien, Nissa. J'allais dire, ça met les 3 draps qui sont bloqués par D1, mais bon, ça peut aussi faire des super gros trucs. Alors, même, c'est que j'ai rien envie de virer, quoi. J'ai déjà un jeu qui est tellement bon contre le sien, je pense. En fait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il peut m'arriver de pire qu'il se développe plein de 2-2 et de 1-1, et que du coup, moi, je fasse pas le malin. Ou alors qu'il me sorte son. Ouais, en fait, c'est ça, il faut que je gère ses bêtes surtout. Et pour ça, bah, j'ai rajouté un. Mélodie. Tolsimir. Je pense que c'est pas si mal. Est-ce que je retirerais pas un Mystique pour faire un peu de place? Krasis, ça paraît quand même vachement bien contre lui. Manipulation, c'est peut-être un poil cher pour lui. Je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je fais. Et on va peut-être retirer une druidesse pour éviter de se prendre les moins 2, moins 2. Je sais pas s'il en joue. Bon, c'est un truc comme ça, un peu chelou. Ah, j'ai rien de voir. Vous mettez YouTube là, j'ai hâte d'avoir mon nouveau. Normalement, je crois que c'est bientôt. Là, je vais pouvoir avoir une URL un peu plus propre que celle-là parce que là, elle est un peu dégueu. Est-ce que vous avez vu que la nouvelle. Donc, l'émission de la. Là, non, je vais y arriver. La dernière VOD de l'émission Magic sur le stream est sortie. J'étais uniquement avec Ponce, mais du coup, j'ai joué. Ce qui était cool. On a fait du Commander. Et ma foi, c'était fort sympathique. Et donc, pour ceux qui se demandent, c'est la dernière, mais normalement. Normalement. Il devrait y avoir encore du Magic sur le stream. Voilà, c'est juste qu'avec la nouvelle prog, jeuxvideo.com, machin, tout ça, ils ont dû compresser un peu des trucs.
Et que bah, pour l'instant, c'est Magic qui a sauté. C'était la plus l'émission la plus récente, je crois. Mais vous inquiétez pas, j'ai plutôt de. J'ai plutôt. Un. Je suis plutôt optimiste. Bon, bah, du coup, on va mettre Druid Death. Qui va sûrement faire fumer. Je sais pas pourquoi je sens que cette partie. Ah, pourtant, j'ai une meilleure main. Maxilian est de retour. Oui, bah, du coup, demain soir. Bah, en plus, demain soir, c'était férié. Bon, mais même sur le jour férié, ça nous aurait pas plu. Ça nous aurait pas emmerdé. Max est de retour. Oui, Max, il est de retour. Il est en vacances, mais il va. Il y a pas de soucis. Alors, du coup, Teferi, je boone, c'est chiant parce qu'il me l'a tué avec ça 1-1. Ça va être Elfe de la Noire, blanc de taper, hein. C'est pas foufou, mais. Est-ce que Teferi, ça. Est-ce que Teferi maintenant, ça me sauve pas le cul quand même, si je pense. Je pense qu'il faut quand même que je fasse un Teferi, même s'il va mourir. Parce que sinon, ça va être horrible en fait. S'il commence à rejouer quelque chose, il va me pondre trop de 1. En fait, je peux pas vraiment gérer les. Les sorties où le mec fait plein de bêtes. Voilà, il me faut trop de mana quoi. Donc j'ai intérêt à plutôt lui gérer les trucs. J'ai l'impression que. Qu'est-ce qu'il dit Ushishigo? Ils auraient dû annuler Dragon Ball. dis pas ça, c'est vrai. Non, non, mais c'est pas ça. Non, en fait, il y a de la place pour tout. C'est juste que à la rentrée notamment, ils vont faire une programmation qui sera beaucoup plus étendue. Qui commencera très tôt, qui finira très tard. Donc là, on va pouvoir remettre des émissions comme ça. Mais je comprends, enfin, pour moi, il n'y a pas de soucis. Il peut me contrer, mais bon, on va y aller, hein. Ah, si je me prends un veto, bah bien joué pour toi, qu'est-ce que je te dise. J'ai pas trop d'autres choix de toute façon. Allez, retentez ça. À mon avis, ça passe pas. Ah, il regarde un peu sa main c'est en surbrillance. Et c'est. Ah, c'est mépris sur sa propre carte. Oui, mais c'est Boons du coup. Pas mal mépris, hein. Donc il m'a. Ok. Donc Krasis arrive à point nommé. Krasis 3-3, il va être pile ce qu'il faut là. Même s'il y a des chances qu'il se fasse gérer. Ceci dit, j'hésite à faire. Est-ce que c'est le mieux, c'est pas de faire. Non, non, c'est de faire genre. On va faire un Krasis à 3. On va prendre 2. On va faire un Krasis à 3. Et parce qu'en fait, au tour d'après, il va sûrement me le gérer. Mais au tour d'après, je peux faire un Krasis à 4. Ouais, donc ça c'était un peu prévu. Bon, je suis vraiment derrière, hein. On voit dans cette partie. Il a commencé, il a un très bon départ. C'est vrai que c'est plus difficile. Donc, pour la RPI, ça paraît bien. Et Krasis, hein. On va refaire un Krasis, je peux pas me permettre de prendre trop de coups de voleur. Ok. Il m'a piqué le mystique. Fort. Comment je reviens? En fait, je trouve ça dommage qu'il joue un deck Bant, mais qu'il ne joue pas les Vras. Parce que faire un coup de Vras et ensuite faire des. Enfan, les Vras de Teferi, là, les infections temporelles. Là, si j'avais eu Vras, ça aurait été vraiment une autre paire de manches. Mais là, en fait, je sais que je peux pas gérer une sortie comme ça. Donc, je pense que ça va être la défaite d'ici un tour, à mon avis. Oh, puis alors, ça se curve très bien, pas de soucis. Il a quand même réussi à me prendre Nissa. Là, il se fait kiffer. Là, quand même, il est bien sorti. Je vais faire ça pour voir ce que je pioche, histoire de dire. Voilà. Et on va conseiller cette game. C'est pas très grave. Il a une bonne sortie. Moi, j'étais vraiment derrière. Je me demande si les Mystiques, c'est pas un peu mou contre lui. Non, normalement, c'est pas si mal. Raptor, ça peut peut-être le faire chier, mais c'est un peu gros en fait. Ah, mais ça. Raptor, ça passe sous son truc à deux là. Negate, manipulation de masse. Druides, ça empêche de se faire buter aussi, ça peut être cool. Peut-être que j'ai chié de virer ça. Est-ce que j'ai pas envie de virer les mystiques là, qui sont peut-être un peu mous? Tolsimia, je pense que c'est bien de le mettre. Manipulation de masse, bah l'air de rien, c'est quand même bien que j'en ai. Et on va peut-être virer les mystiques. Je vais tenter sans mystique. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais tenter un raptor, allez. Soyons fous jusqu'au bout. Brontodonte, c'est pas forcément foufou. Bon, ça bloque, c'est. Oui, non, c'est. Je tente comme ça. Negate, ce serait bien aussi.
Il y a peut-être la même chose, il y a une sortie incroyable. Oui, non, mais c'est pour tester. Comme de toute façon, là, je vais passer un autre jeu après. Du coup, je teste un petit peu et puis on verra. Attendez, j'essaie de setup un peu ça. Hop, hop. Jouons en premier. Tout à fait. Tout à fait, une main qui est très 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 lente. Mais je sais pas pourquoi je le sens mieux. En fait, c'est la main de merde comme ça que j'avais gagné à la première game qui m'a fait gagner. Donc, en vrai, ça va dépendre surtout de ta sortie à lui, en fait. Moi, de toute façon, mon but, c'est de tenir dans les premiers tours. Bon, très bien. J'aurais préféré tour 1, mais et encore, ça aurait rien changé à l'heure actuelle, les choses. L'avantage, c'est que je pourrais même peut-être faire un Kradis à 2 pour pouvoir piocher et bloquer sa 2-2 de vol de merde, là. Alors, est-ce qu'il l'a? C'est la grande question, hein. Ah, il a effacement des pensées. Ah, ça c'est plus chiant. Enfin, c'est plus chiant. C'est chiant. Kradis ou Nissa? Nissa, ok. Donc, je vais faire, je pense, Kradis au tour d'après. Ça permettra d'avoir d'ajouter une certaine pression. Ouh, ça il l'a pas vu ça. Ça il le voit pas venir. Il se dit forcément que je joue juste Teferi. Il a pas vu mon Tolsimir là. Il va mettre ça 2-2. Il va mettre ça 2-2 vol et paf! Bon, ce serait bien que j'ai d'autres Krasis, parce que faire des Krasis à deux, c'est bien gentil, mais... Aïe, aïe, aïe. Ah, du coup, je peux pas le jouer, mon Tolsimir. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Ah, il m'a viré ça? Il laisse ma 2-2. Aucun respect. Bon, bah, l'avantage, c'est que j'ai pas à me triturer si je jouais des Tolsimir blanc. On va jouer ça comme ça. On va attaquer. Et on va attendre que tu poses un petit truc, là. Paf! Pour que l'ami des loups s'en charge. Sorin. C'est pour ça qu'il a mis preneuse au cimetière, peut-être. Ouais. Heureusement que l'ami des loups. Alors, le problème, c'est que récupérer un Krasi, c'est pas génial. Vous l'aurez compris. Après, ça évite qu'il le joue, c'est déjà très très bien. Oh là là, alors là, c'est l'ami des loups. Attendez que je. Ouais, ça va. Paf! Ah, tu t'y attendais pas à ça, mon gros. Alors là, tu te fais tuer par Voja. Voja, Voja. Ah, ça c'est à moi. Et j'attaque. Oh, quelle pression. Voja, ami des elfes. Tolsimir, ami des loups. C'est grâce à eux que. Ah, Tolsimir, à mon avis. Tolsimir ou Voja? Il reste le loup qui va aller au bout, vous allez voir. Je suis assez là pour piocher un Krasis, là. Ok. Après, il a plus de main. Hein. Et normalement, à ce petit jeu-là. Je suis plutôt bien. Et le loup va aller jusqu'au bout. Il a 6 tours. Pour l'instant, ça va à peu près. Alors, il va surtout tuer une Narset s'il me le tue pas derrière. Oh, il a Fizzle. Ah, dur. Oh. Je crois, hein. Je sais pas. Ou alors j'ai mal vu. Ok, piochons des cartes, vite, mais donnez-moi des choses là. Donnez-moi des choses à jouer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Connard de merde! Narset m'a défoncé. Désolé, 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 désolé. Bien joué, joli, joli, joli. Le fail, le fail. Je suis en train de faire un. Vous allez voir, je suis en train de faire un petit. Enfin, de faire. Parce que avec mes talents de graphiste, ça n'a pas fait grand-chose. Vous savez, le petit logo que j'avais fait demander à ma demi-sœur, enfin, à ma belle-sœur qui avait fait. D'ailleurs, c'est elle qui était en cosplay de Chandra sur les vidéos YouTube, bref. Donc, elle m'a fait ce petite image-là de moi avec. Enfin, un mix entre Ruffalo et moi. Et ben du coup je lui ai demandé de le faire le. Bon, c'était le fail. Je lui ai demandé de faire la version facepalm. Donc normalement d'ici peu, enfin elle va me faire un petit croquis, un machin. J'aurais. Parce qu'en fait j'ai essayé de faire celui que m'avait filé Rafi là, qui était un peu détouré, machin, et en fait ça. Je sais pas, ça rendait très bien. Donc du coup je vais faire ça. Bon, désolé, c'était un. Voilà, on a eu un début fail au niveau des du setup. On a eu un petit fail à ce niveau-là. Voilà, je vais essayer un autre truc. Peut-être plutôt celui-là. Docteur 0125, a priori c'est son nom. Il nous a fait un petit Abzan. Donc Abzan, c'est pour les plus jeunes d'entre nous. Pour ceux qui n'ont pas connu Tarkir, c'est les couleurs vert, blanc et noir. Le principe, pourquoi jouer ces couleurs-là? En fait, c'est un vert noir, un peu classique. Mais le blanc permet de jouer notamment Sorin, qui est une bonne carte. Serment de Kaïa, qui est une bonne carte, qui permet en plus de mettre des. Qui est une hélice d'éclair pour.
qui ni les éclairs mais qui joue pas rouge. Et Sonneur de la Milice qui est loin d'être con dans un deck qui joue que des bêtes qui ont 2 de force ou moins. D'ailleurs, c'est dommage qu'il en mette qu'un. Peut-être qu'un de plus aurait été sympa. Voilà, et avec une réserve qui est basiquement noire, hein, on voit que à une lire après, c'est basiquement noir. Donc l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est. Excusez-moi, je voudrais pas faire ma raclette, mais pourquoi on doit revendre sa voiture si on veut acheter des cartes sur Magic Bazaar? Bah alors là, hashtag bolas à 50 balles. Bah l'avantage, c'est que je travaille plus à Magic Bazaar, donc je peux le dire. Mais de toute façon, enfin, même sans travailler chez eux, c'est la loi de l'offre et la demande, n'est-ce pas? Et à ça, tu ajoutes la loi de l'entreprise, qui est de dire qu'en fait, contrairement à Card Market ou du peer-to-peer, quoi, enfin du PAP, une entreprise a besoin de payer ses salariés, de payer des charges, de payer son local, de payer des taxes, enfin bref, vraiment, c'est-à-dire que sans. Et là, je travaille plus pour eux, donc je pourrais très bien dire, ouais, c'est des voleurs qui allaient se faire foutre. Non, vraiment, je pense que il y a un coût derrière. Et notamment une disponibilité, parce que le but de Magic Bazaar, c'est d'avoir un maximum de cartes à tout moment, qui du coup vaut quelque chose. Et vaut le fait que bah, si tu les veux en 3 jours, sûr, avec un service où tu es sûr qu'il n'y aura pas de soucis, enfin, c'est pas un random mec sur MKM, quoi, bah malheureusement, t'as pas trop le choix. Enfin, t'as pas trop le choix. Tu peux aller où tu veux, mais en tout cas, voilà. Bolas gagne des games, plus pas beaucoup, plus tout le monde veut ce perso. Plus la boîte doit tourner. Bolas 150 balles. Oui, en plus le problème de Bolas, c'est qu'il n'est pas aimé que des joueurs de standard. Et en plus en standard, il est. Enfin, en ce moment, c'est pas le best. Plutôt Teferi le best. Sauf que l'avantage, alors, vous avez de la chance que Teferi soit rare et pas mythique. Parce qu'il aurait vraiment valu au moins ses 50 balles pour le coup. Et 50 balles le Bolas, le truc c'est que donc bah, il faut le choper. Et en fait, il est aimé par les mecs qui aiment bien les Planeswalkers, les mecs qui aiment bien les dragons, les mecs qui aiment bien les bad guys. Et les mecs qui aiment bien jouer Grixis en standard, donc forcément c'est. Après, 50 € c'est cher, je dis pas, hein, mais je peux un peu plus comprendre. Ah, ça joue Citadelle, ça va être génial, je suis content de pouvoir jouer cette carte. On joue contre un mec qui joue d'épaisseur, comment on va pouvoir gagner, c'est ça le problème. On va remettre un marcheur au calme. On va pas attaquer parce que ça nous fait beaucoup trop peur. Les mecs qui aiment le lore, tout à fait. Les émos, bah oui, effectivement. J'aime l'or, mais j'aime pas Bolas. Bah, ce que j'aime bien, c'est que ça en a fait un méchant quand même un peu charismatique. Alors qu'à la base, sa carte en Legend, elle est quand même plutôt. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ok. C'est nouveau ça? Avant, avec Tamio, ça faisait tac-tac-tac. Bon. Alors, ce qui est cool, c'est que jusqu'à maintenant, l'épaisseur nous retenait complètement. Et qu'avec ce Ranger. Mes marcheurs vont commencer à se réveiller. Est-elle une Nissa qui anime? Non, j'en ai pas besoin. Cimetière, oui. Allez, un land pour la Noire. Est-ce que c'est gardable ça? Bah, je vais dire que non. Ça me ferait chier, mais là, il me faut des landes. Là, il me faut des landes. Il me faut des landes pour que j'arrive au moins à ma citadelle ou quelque chose comme ça. Voilà. Si je te propose ça, est-ce que tu double bloques? Je pense que oui. Ah, ils sont là pour ça, les mecs. Hein. Ah, il veut faire des plus 1. Donc, ah, mais oui, c'est vrai, il y a Jestream Decker, j'avais oublié, putain. Attendez. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié qu'avec le Stream Decker, effectivement, je peux du coup mettre mon deck. Mais pourquoi j'ai plus l'extension là? Attendez. Bon, alors attendez. Attendez, on va attendre de se faire pulvériser par. Ok, son jeu Nexus de merde là. Voilà. Ok. Full attaque. Full attaque. Full attaque double elf, prochain tour citadelle. Non, je suis loin de citadelle avec ces trois noirs. Oh, je suis très loin de citadelle, mais bon, je suis pas loin de Vivienne. Ça peut être cool. Full attaque Tamio. C'est l'ennemi du moment. S'il me tue un ranger avec son ranger, l'avantage. Non, ouais. C'est que j'aurais pu le. Ah bah oui, c'est ça. J'ai peut-être. Ah bah non, mais je suis con, je crois que je joue Dread Horde. Je suis en mode vas-y, mets des rangers au cimetière. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Ok, elf, elf.
Oui, donc j'avais un Stream Decker qui marchait hier là, et là je l'ai plus. Alors ça me fait chier. Je crois que c'est en tableau de bord, extension. Oh, je commence à connaître Twitch sur le bout des doigts. Mes extensions, activer composant 1. Enregistrer. Voilà. Donc là vous avez normalement le petit composant Stream Decker, et en fait là il faut juste que je change le deck et que je le mette en favori pour que vous l'ayez. Il est là. Ah non. Merde, il est pas là, je l'ai pas enregistré. Ah, il est là. Il est là. My deck. Ok, là on est sur le. Dread. Non, on est sur le. Abzan. Hop là. Voilà. Normalement, ceux qui sont live sur Twitch peuvent désormais. Attends, il s'est fini full tap là? Donc là, c'est la fête à la grenouille là. Ça va être Vivienne plus. Ah, mais alors, par contre, il a pioché Mascard. Mais en fait, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Il a un. Ah oui, il a dû faire Tamio. Qu'est-ce qu'il a fait pour plus? J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas vu. Il a dû piocher des cartes, je pense. Bref, donc, on met Vivienne, c'est sûr. En fait, là, je vais plus que des créatures. Il me faut des landes noires. Voilà, genre ça. Genre ça. Genre ça, c'est bien. Voilà. On va le poser. Tamio, on va essayer de faire que c'est l'histoire ancienne. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Et je retourne vite fait sur le chat parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites depuis et que du coup je ne voyais plus. Alors attendez. Chaîne. Oui. Alors le problème c'est que si vous avez dit des trucs, du coup je ne les ai pas vus. J'espère que c'était pas très important. Car depuis que j'ai passé le truc là en stream. Vas-y, je me sentais par ton deck. Bah moi j'aime bien, hein. Enfin j'aime bien, je sais pas, mais en tout cas là ça joue pas qu'explore, j'aime beaucoup. On en profite tant qu'ils sont encore là. Hein. Ces braves petites bêtes partent en septembre. Non, précisément je crois que c'est le 3 octobre, quelque chose comme ça. Début octobre. Rotation du standard. Qu'est-ce qu'ils disent, ouais? Je vais aller gagner le card market sur DBS ce week-end et je vais m'acheter des cartes MTG Warsuit. Mais c'est carrément Wars. C'est carrément Wars. Bon. Alors. Il me propose quand même des trucs, le mec en face. Hein. Il me propose quand même des trucs. Alors, Vivienne plus 1, de toute façon, j'ai rien à gérer. Ok. Chupacabra, c'est cool. Parce que l'avantage, c'est que ça me vire ça. Et que du coup, je peux me débarrasser de ces merguez. Donc, ouais, tous les jours, c'est Chupacabra qui va être pris. Qui va être joué insta. Qui va tuer un land en plus, c'est cool. Voilà. Et du coup, on va essayer de tuer. Ah, je peux en tuer qu'une seule. Putain, je sais pas laquelle tuer. Ah! Le problème de Tamio, c'est qu'il permet de remettre autre chose. Le problème de Nissa, c'est qu'il va lui filer tellement de mana au tour d'après. Oh. Rip le land noir. Bah ouais, mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Après, comme de toute façon, Marcheur. Jouer Citadel, c'était 100 fois mieux. Ah putain, Citadel, c'était fort. Ah, bon sang, désolé. Ah, j'étais en mode, il faut que je. Ouais, non, 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 mais c'est clair. Non, 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 mais d'accord. D'accord. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je peux faire éventuellement un lien d'abondance. C'est gratuit. Et je tue Tamio, je crois. Et je prie pour qu'il ait pas un truc trop cher, trop fort. On va prendre le land noir. Voilà. Ok, on va le jouer. J'ai pas encore la. C'est après. J'ai jamais résolu une citadelle en fait. Donc peut-être que je me rends pas compte. Je sais que c'est fort, attention. Mais je m'étais en mode non, non, d'abord je dois tuer ces. Faut tuer Nissa? Je sais pas. Tamio en fait permet de récupérer Nissa. Elle est tellement chiante, Tamio. Ouais, on va voir. On va voir, j'ai peut-être mal joué. Bah, j'ai peut-être mal joué de jouer. En fait, j'étais à 35 points de vie en plus, donc je pouvais jouer ma ville. Ah non, mais en fait, quand j'arrive sur un terrain, j'ai perdu. Enfin, je peux rien faire ça. Vous pouvez jouer la carte au-dessus de votre bibliothèque, vous lancez un sort de cette manière. Ouais, en gros, dès que j'arrivais à un terrain, j'arrêtais quoi. Il met ça sur Vivienne. Ah ouais, mais de toute façon, il va gagner un tour supplémentaire, donc je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Tu l'as eu quoi. En fait, tant qu'il a que ça, ça va. Ouais, Krasis. Ah oui, putain, Krasis va me tuer en fait, non? Ah, ça dépend combien il a de tours. Ouais, ça peut être.
Ça, pour le coup, c'est un Nexus qui me m'irait plus qu'un Nexus, on va dire, je tue à l'ennui, quoi. Au moins, il met des bêtes, il attaque avec, il met des Nissa. Alors, est-ce qu'il a un autre Nexus? Parce que si oui, je crois que je suis mal barré. Hein. Il a pas l'air, peut-être qu'il l'aurait joué comme ça. Ok, bah Nissa, ah, Vivienne, désolé. Désolé, je pourrais pas te protéger. Ouais, j'ai bien fait de pas bloquer tout à l'heure, parce que là, ça aurait servi à rien. Je pense qu'il a pas d'autre Nexus. Nexus, ça rentre dans trop de decks, mais je trouve le potentiel de cette carte est pas assez utilisé. Ah oui. Ce Simic Nexus est le meilleur actuel, je pense. Bah, en fait, il utilise tout le mana de Mass Manipulation avec les Kradis, les machins. Et derrière, il chope des tours supplémentaires pour bah, juste fermer des grosses coups de 8-8, quoi. Donc en fait, c'est carrément plutôt ok. Ouh là, il y en a un! Oh, bah, il a pioché. Allez. On a conseillé cette partie. Ah, c'est intéressant comme deck. Enfin, c'est peut-être. J'avais dit que je jouerais jamais Nexus. Dans ce genre de deck qui au moins tue à la 8-8 assez vite. Alors, je préfère vraiment me faire tuer par ça que par. Ah, je détape Nexus, je refais Nexus. Enfin, c'était infâme. Donc, contrainte Tempa. Le sort ancestral Tempa. Réduit à néant du coup contre lui, c'est peut-être pas si mauvais. On va voir. Davriel. Ah, du coup, c'est pas terrible parce qu'il met un peu d'agression. Mépris de Vraska, c'est bien. Massacreuse, bof. Citadelle de Blast, c'est chiant, je l'ai pas joué. Je sais pas si c'est bien contre lui. Lyra, je pense que c'est pas bien contre lui. Summum de l'éternité, c'est pas bien. Enfin, c'est pas fou, je pense. On va plutôt s'attaquer à ses Planeswalkers et à ses bêtes. Enfin, remarquez, ça s'attaque à ses bêtes, mais. Alors ça, c'est peut-être pas génial du coup. Parce que moins 4, moins 4, ils s'en foutent un peu. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop sur quel. Je sais pas trop sur quel pied danser du coup. Il a pas d'enchantement, hein. Ça, du coup, il joue pas la. Le. Il joue ou pas le reboisement là? Il l'a pas sorti, mais. J'ai pas l'impression qu'ils sont. Enfin, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Sorin, ça peut être sympa, ça fait gagner des points de vie. Et ça ramène des trucs. Limon, je pense que c'est un peu mou, non? C'est un peu mou contre lui, non? Vivienne, en fait, le problème c'est qu'elle gère pas. Elle gère pas les Planeswalkers. Elle gère. Si, elle gère les. Elle gère les Krasis, mais de façon un peu molle. Peut-être en retirer au moins une. Bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Chevalière, bon, je vais la virer parce que de toute façon, au pire, j'ai d'autres trucs pour gérer les enchantements s'il y en a. Serment de Kaya, Serment de Kaya, ça peut être quand même 3 des Planeswalkers, ça peut être pas mal. Il reste 7, ouais, bah, il reste que là, il faut que je vire un truc au pif. On va peut-être virer un anti-bête parce que. Enfin. Peut-être pas non plus que j'ai trop d'anti-bêtes en main. Il y en a abondance, c'est pas top. Bah, ça permet d'aller chercher. Fouille. Ça permet quand même de. Oui. Oui, je peux dire ça 15 fois, mais ça permet quand même de lisser un peu le deck. Alors, on va regarder. Et d'aller chercher. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on a peut-être plutôt envie d'avoir des spells pour pouvoir le gérer lui. Enfin, gérer ses bêtes. Et ses Planeswalkers. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il y en a abondance. C'est moyen, ok. Alors, faudrait que je trouve quand même une liste comme ça. Enfin, ah ouais, mais faut que je me crase des Nexus, je crois, ça veut dire. Et j'ai plus de mythique, non, peut-être pas, peut-être pas. Puis bon, si c'est. Nexus, c'est quand même un petit peu dans la tête des gens, la carte cancer. Alors, c'est pas que. Enfin, à la limite, si avec ça, je dis pas. Mais. Bah, ça joue quand même des Pesseurs Arboricoles, rien que pour ça va être sympa. Mais c'est clair qu'en ce moment, il y a de quoi vraiment abuser des manas. En standard, avec notamment Nissa, avec tous les dorks. Qu'est-ce qui me fait mal là, ça? En ce moment, c'est plutôt Monored Cancer dans la tête des gens. Ouais, mais Monored, enfin. On connaît Monored, quoi. C'est-à-dire que tu sais si. Voilà. Tu peux mettre du. Ce genre de deck là, c'est quand même un poil nouveau. Ça se base sur des cartes un peu nouvelles. Je pense que j'en préfère. Est-ce que c'est Sorin maintenant? Non, c'est pas top Sorin maintenant. Ah, pour coup, Sorin tout de suite, là, c'est pas génial. Non, on va faire un marcheur tombeau, et puis voilà.
Ça joue quoi? Ça joue vert-bleu. De toute façon, ça a assez de mal à nous gérer nos bêtes. En fait, j'ai pas encore testé cette aide de Bolas. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, je préfère. Ah oui, ça joue. Ah ouais, ça joue des trucs horribles. J'ai l'impression que je préfère quand même des. Ouais. Dreadhorn, je crois. Ouais, bon, on va faire un Ranger. Ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression que. Bah, je vais le mettre au cimetière parce qu'en fait, j'ai l'impression que je. C'est bien gentil, mais je lui gère rien en fait. Et ça risque d'être problématique au bout d'un moment. C'est un jeu, je pense, si tu laisses faire un peu ce qu'il veut. Ça va qu'il a pas trop d'accélérateur de mana. Bon, il a eu un Pesseur, mais il a pas trop d'accélérateur de mana. Tant qu'il joue que des bêtes, on va dire fer, ça va. Mais là, il va me jouer une Nissa, ouais, hein, c'était prévu. Et là, en fait, je fais vraiment l'avion. À moins de toucher un Elder Spell ou un truc de Vraska, là. Enfin. Il y a combien de forêts? Il n'y en a que deux. Il n'y a que deux forêts. Vivienne, elle sert pas du coup, c'est infâme. Ah. Putain, prochain tour, il va piocher Mascarte. Bon, je vais faire Vivienne pour choper un truc. Attends, peut-être pas comme ça. Vivienne a peut-être perdu de sa superbe avec contre Nissa. Oula, ça joue des negates en plus. Bon. Je me dis qu'au prochain tour, si je top deck une citadelle, je me dis je l'ai même. J'en ai rentré même. Enfin, j'en ai que deux. Bon, Flo, tu tentes le top 1000 ce mois-ci. Ouais, je vais tenter le top 1000. Ah, mais putain, mais on est déjà le 30. Enfin, oui, d'accord, on a encore 2 jours. Ouais, je vais tenter le top 1000, mais sans. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, je voulais faire ça. Je pensais qu'il me restait du temps. J'étais en mode, c'est bon, je peux encore tester des decks un peu rigolo. Il reste 40 heures, merde. Oui, je vais quand même essayer de tenter ça. Ouais, on va essayer de faire ça. En fait, je vais voir. Je veux pas mettre la pression. Si je suis pas top 1000, c'est pas très grave. De toute façon, il y a encore un autre mois, je crois, pour la même saison, non? Il me semble qu'il y a un autre mois, enfin que le mois prochain, c'est pour la même chose. Oh, putain, toi, t'arrives à point nommé, toi. En plus, il peut pas me negate, il peut me negate, mais enfin bon. Voilà, attendez, on va faire Sorin. Allez, negate-moi ça, si t'as negate. Ah, je pense qu'il a negate. Ce qui est chiant, s'il a negate, c'est que s'il me. S'il me negate mon Elder Spell, bah. GG. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens qu'à mon avis. Ouais, c'est maintenant. Ah, je sais pas pourquoi t'hésites là. Soit t'as negate, soit tu la joues, soit tu. Tu te tais à jamais. Oh ouais, d'accord, ok. Bon, si c'est que ça, ça va. Ok, du coup j'ai un gros Sorin qui peut ramener Marcheur. Ouais. Ouais, ramener Marcheur, ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ouais. Pourra me servir, je sais pas. Si je chope un. Là en fait, mon but c'est de choper une citadelle quoi. J'aurais dû en mettre 3. Hein. Salut Ludo. Ah oui, j'ai. Attends, c'est quoi? T'as pas mis de marqueur le sur le rituel sur Sorin. Si, si, il était à 6. J'ai juste fait moins 2 là. C'était semi automatiquement. Que je sache, hein. Oui, c'est ça. Plus. Oui, c'est ça. Oui. J'ai fait un truc à moins 2. Bon, évidemment, il commence à piocher comme un goré. C'est le moment où il me faut une citadelle là. Voilà, non, pas ça. Ouais. Alors c'est bien, je gagne plein de points de vie, mais il va gentiment me tuer avec son Krasis là. Je pense que je passe pas. Malheureusement, j'aurais pas vu beaucoup de disrupt. Hein. Enfin, j'ai vu un Elder Spell qui est arrivé un peu tard. Et voilà, et en plus, il va pile pouvoir me tuer. J'ai rien qui vole. Un vrai bonheur. Il va pile pouvoir me tuer Sorin. Après, Sorin, ouais. J'aurais pas dû attaquer pour profiter un peu du lien de vie, bah non, mais je vais pas rentrer dans ces 6-6 quoi. Alors je pense que c'est mal barré. À moins d'avoir une citadelle là maintenant qui se passe très bien. Oh putain, en plus il a mis ça. Si j'ai citadelle, Elder Spell, pourquoi pas, mais je la sens mal cette partie.
Je la sens mal, c'est pas grave. Ça me saoule déjà. Bon, bah en fait, c'est un deck forcément. Si on lui laisse faire ce qu'il veut, bah il s'amuse quoi. Je suis 95, c'est pas foufou. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais m'enlever la tête ce top 1000 parce que je sais pas. C'était pas mon but ultime. Et on va essayer. Ah oui, on va aller dans les trucs un petit peu chelous. Ah, et ça peut être marrant ça. Ouais, contre quoi, quand on continue ça, machin, c'est pas génial. Bon, en gros, le principe, c'est un bleu noir. C'est un bleu noir. C'est un vert noir. Land Destruction. Qui joue donc des victimes de la guerre, des champs de ruines et des trophées de la Sainte. Il n'en joue que 3, c'est bizarre. Non, mais j'ai pas envie de jouer ça. J'ai pas envie de jouer ça tout de suite, j'ai envie de passer plutôt sur un banc un peu bizarre, regardez. Alors, ça, Dreamette, là, c'est un mec en fait que j'ai trouvé sur un random site et qui en fait mettait des decks de la méta. Donc, je sais pas si c'est lui qui les a fait. Voilà, je vous le dis. Mais en tout cas, c'est des decks que j'ai pris parce qu'en fait, c'est effectivement un deck de la méta avec des cartes que je vois très rarement. Par exemple, là, on a 3 summums de la destruction dans Bant. Ce qui est plutôt cool parce que c'est vrai que dans Bant, on a pas mal de petites cartes en x2, x1 parfois qu'on a envie d'avoir. Bant ne joue pas du tout tout ce qui est tout ce qui a priori en plus aurait pu être bien comme hyper génésis, non pas hyper génésis, comment ça s'appelle le truc pour un incolore, non pour un bleu et un vert qui permet de sacrifier une bête d'aller chercher une autre machin etc. Bon vous voyez de quoi je parle, ça aurait pu être bien mais ça fait du card disadvantage. Ça joue pas non plus Vanifar et c'est dommage parce que c'est des cartes qui peuvent être bien dans un jeu avec plein de cartes en x1, on peut aller dans différents trucs, etc. Machin. Donc là, il joue Summon de la Destruction, ce qui peut en plus être rigolo avec Teferi, parce que Teferi peut donc le faire jouer en éphémère. Donc du coup, on peut aller chercher des Chalaïs en éphémère. Bon, à tester en tout cas. À tester avec un side plutôt classique pour le coup. Donc je vais tester ça. Donc, ça s'appelle Band Dreamette. Ouais, je sais pas pourquoi je sélectionne là, ça marchera pas. Voilà, et du coup, je vais le passer en favori sur. Tellement pratique ça. Il est où? Ah merde, je l'ai pas mis. Putain, je l'ai pas mis. Oh quel connard. Ah je l'ai pas mis. Je pensais l'avoir mis. Bah désolé. Est-ce que je peux le récupérer là comme ça tout de suite? C'est un peu compliqué. Est-ce que j'ai fermé la page où il était? Bon bah désolé, c'est pas le bon deck du coup. Donc je vais retirer. Ah c'est bête. Bon, bah désolé. Deck, my deck. Bon. Je vais remove le fait que ce soit ce deck-là. Oh, une très bonne main. Bon, c'est plutôt pour le late game, vous l'aurez compris. Alors, Fontaine sacrée, c'est bien. Bon, en vrai, Bant, j'aimais beaucoup Bant. Hein. Enfin, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent que c'est vraiment une association de couleurs que j'aime bien. Mais Bant, dans la méta actuelle, je pense qu'il lui manque des cartes un peu buggées. Alors, il joue Teferi, c'est très bien. Il joue. Attendez, est-ce que c'est plutôt Vigile là ou est-ce que c'est plutôt Elve la Noire? Je pense plutôt Vigile. Je sais pas. Permet de me curver, je trouve ça mieux. Jennara, tout à fait, bah oui, ceux qui m'ont connu avant savent que Jennara, c'était mon kiff. Donc, le problème, c'est qu'en fait, les bandes actuelles s'amusent avec des petites chalaïs. Alors, Oketra, c'est peut-être pas mal, mais en fait, voilà, c'est que des trucs qui sont bien si t'as d'autres setups, quoi. Il faut être un peu symbiotique, je sais pas si c'est le bon mot. Quand on joue. Attendez, je réfléchis. D'abord, j'attaque. D'abord, je fais ça et j'attaque. Le fais-je en réponse? S'il me le tue, j'aurais l'air mal. Je sens mal de toute façon cette partie. Allez, je le fais. Comment c'est passé? Permet de me curver. Je sais pas, il y a peut-être un truc à gérer sur Chevalier. Je crois que Chevalier en ce moment c'est moins bien. De base en tout cas. C'est moins bien, il y a pas mal de Planeswalker et de créatures et de spells évidemment, mais des enchantements j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu moins. Il y a moins de reboisement, même Ascantin m'envoie moins je crois. Donc ça c'était bien bien curvé pour toi. Moi ce que je vais faire c'est faire bah du coup ma chevalière je vais peut-être la poser là.
Ça permet de me curver. Ou je fais juste vigile. Elven noir, c'est sûr. Est-ce que je fais pas. Une chevalière 4-3, ça peut être bien. Mettez en vigile. C'est jamais. On dit qu'en fait, s'il me sort un monnaie, un gros artefact ou un truc. Bon, là, à mon avis, on est sur un. On est sur une. Merde. On est sur un 4 couleurs d'ordre qui est pas sorti très bien. Ouais. Je dis ça, il met Hugin tour 5, mais. Alors l'avantage c'est que l'elfe de la Noire, il va gentiment, avec ses petites pattes, aller me tuer un des plus gros planeswalkers du format, et ça c'est plutôt cool. Donc je dis que le problème de Bant actuellement c'est que ça ne. Donc c'est puissant, mais ça n'a pas de gros spells comme Dreadhorde, comme Nexus. Oui, enfà Nexus, ça pourrait jouer, mais c'est pas vraiment le thème. Enfin, des trucs qui peuvent vraiment. Enfin, sont vraiment quand on les résout, sont vraiment trop forts. Donc là, est-ce que je lui offre. Est-ce qu'il y a de quoi faire un. Oui, je l'ai mis 4-17. Quelle agression. Je crois que si. Même s'il a Dreadhorde, là, il va pas le jouer. Donc autant peut-être lui filer d'autres trucs. Genre Chalaï. Chalaï, ça m'empêche qu'il me pète la Noire. C'est pas fou. Ouais, donc en fait, dans Bant, ce qu'on veut, c'est avoir petite Teferi, petite Vivienne, jouer des petits bêtes en flash, machin, c'est rigolo, c'est fun. Mais l'autre, il arrive, il dit, bah pour 6, je ranime tous les cimetières. C'est un peu compliqué. C'est vrai que pour le moment, en plus, on n'a pas forcément envie de jouer trop de mystique, parce que bah les mecs peuvent maintenant jouer des Teferi qui sont chiants. C'est un peu compliqué. Je pense pas qu'il fasse Dreadhorde maintenant. En même temps, s'il fait Dreadhorde maintenant, il réanime Ugin. Toutes mes bêtes. Ouais. Voilà. Le problème, c'est qu'est-ce que je peux rester sur derrière un mystique pendant toute la game alors que j'ai. En fait, ça, le problème, c'est que j'ai pas du tout eu le beatdown, comme on dit. J'ai pas. Oh, est-ce que ça peut me chercher le truc qui me sauve la vie, ça? Je crois pas, hein. Ah si, putain, attends. S'il joue ce que je pense, ça va, mais je sais pas si. Attends, je vais regarder la liste. Ah, mais j'ai pas la liste, merde! S'il joue le. Ah, il va quand même en jouer, je pense. Dites-moi qu'il en joue, putain, dites-moi qu'il en joue. Putain, s'il en joue pas, c'est la mort, quoi. Alors, ça, c'est plutôt arrivé à un point nommé, parce que du coup, en plus, quand il va me le gérer. Je crois que ça revient. Ça revient sous quel contrôle? Mince, je ne saurais le dire. Quand il arrive dans le champ de bataille, exil un permanent en terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, ok, tous les permanents en terrain que je contrôle, et en même temps que c'est permanent, jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Donc quand elle revient, ça revient chez moi. Royal! Merci adjointe. En fait, je sais pourquoi il joue une chevalière. Il joue une chevalière parce que ça peut quand même être utile et qu'effectivement il joue des summums, donc. Tu en joues pas plus que. Je pense qu'il en joue pas plus qu'une. Enfin, je regarde sa liste tout à l'heure. Bon, là du coup, c'est plutôt. Disons que je m'en sors pas trop mal sur cette première. J'ai eu un bon top deck summum, hein. Est-ce que c'est pas le spell que les bandes attendaient? Summum de la destruction. Le fait de pour 5 dire je gère n'importe quoi grâce à Adjointe, c'est pas si mal. Et Adjointe, on la revoit de plus en plus, hein. Parce que ça permet de récupérer pas mal de choses. Permet de gérer tous les tokens. Enfin, Adjointe, c'est quand même une bonne carte en ce moment. Alors, bon, par contre, j'ai toujours pas une agression fofolle. Ah, je peux faire un Krasis. Ou alors peut-être Druides into Mystique, c'est peut-être moins con. Ah, sauf que là, avec Teferi, il va pouvoir me gérer un truc. Monter le son du jeu, pourquoi pas, oui. Oui, que je monte le son du jeu? Ça revient chez moi, comment ça? J'ai pas compris. Why not? Vous voulez que je monte un peu le son du jeu? Oui, je peux. C'est vrai que je suis à. En fait, on m'a très souvent dit de le baisser, donc du coup, je l'ai baissé à fond. Je peux remonter un petit peu, ça vous fait une petite ambiance musicale. Bon, alors là, c'est peut-être plutôt. J'ai peut-être plutôt pas faire le malin et faire Druides Mystique. Juste si je peux, mais oui, normalement, c'est bon. Parce que là. C'est que là, je contrôle pas le board. Notamment avec ses Planeswalkers. Mais. C'est pas si pire.
Par contre, Vraska à 7, elle arrive dangereusement à plus là. Faut quand même que je fasse gaffe. Oh putain, faut quand même que je fasse gaffe à ça. C'est à 9, c'est ça. Vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige blessure ou combat un joueur, ce joueur perd la partie. Ouais, après, je peux aussi. Enfin, il a pas énormément de bêtes là. Il va rechercher une commande. Ou pas. Oh, mais j'ai pas con. Tri la Teferi, quel connard! Putain! Deux grosses erreurs. Oh putain, il a Teferi, quel con. J'ai en mode. Il m'a pas proposé de. Il m'a proposé. Qu'est-ce qu'il a. Il a choisi quoi? Putain, j'ai pas vu. Oh, quel connard! Oh, j'étais en mode, c'est pas grave, je vais me faire un tour. Mais non, mais je ne peux pas! Oui, là, il y a du sel, là, il y a un peu de sel. Il y a un peu de sel parce que je jouais comme une putain de chèvre, que j'ai oublié de jouer. Il a choisi Ranger Jatte Feu. J'ai complètement oublié qu'il avait. Il avait été fait. Je sais pas pourquoi j'étais en mode 2, ça va. Il fallait évidemment faire un Krasis, piocher plein de cartes. Oh, attends, là, j'ai deux mystiques, je peux le garder pour. Bon, j'arrête le troll, on va faire un Krasis à x égale ça. Très bien. On pioche des cartes, on pose des landes. Et on attend que ça se passe. Et à mon avis, ça va mal se passer. Mais bon. Est-ce qu'il fait l'ulti de Vraska? Je suis même pas sûr. Ah, sauf s'il arrive à tout me gérer, évidemment. Ah, s'il arrive à me gérer. Ah bah, il a. Non, il a pas gagné. Oui, ça va bientôt être le cas, à mon avis. Bah écoutez, comme j'ai jamais vu en action l'ulti de Vraska. Ah si, je l'avais vu lors de mon. J'avais fait un duo. Enfin, quand j'avais coaché Max, là. Bon, s'il me gère adjointe. Ah bah non, s'il me gère adjointe, mes 2-2-2 reviennent. Non, ça va en fait. C'est plutôt cool adjointe dans ce genre de deck, enfin contre ce genre de deck. Vraiment. Me demande même si j'aurais pas dû attaquer avec adjointe. Enfin non, elle est pas là, parce que sinon j'allais mourir, mais. Quoique, enfin j'attaquais Vraska, s'il me la bloquait pas. Attaquer avec adjointe, c'est bien, ouais, quelqu'un me dit ça, et. Il a pas si tort. Cette adjointe m'aura vraiment sauvé la game. Hein. Le fait de pouvoir avoir des bloqueurs là. En plus, c'est cool, il me file du mana. Faut vraiment que j'arrive à gérer Teferi si je veux. Si je veux. Oh putain. Ouh, bah du coup. Ouais, bah du coup. Du coup, ok. Alors, du coup, ça va parce que. Il a quand même tué son ranger, mais bon. Bon. Bon, c'est la merde en fait. Ah, il a fait son moins 9, ok. Et ah oui, c'est vrai qu'elle a la menace, la miss là. Fou, j'ai ça. Je m'en fous, j'ai ça. Ouais, alors, sauf que si jamais il me fait Teferi. Non, parce que. Ou alors je fais Teferi. Ah, attendez. Si je mange Teferi. Et que je mets une bête en réponse. Non, c'est pas top. Attendez. Pas forcément une mangée massacreuse, là. Parce que si je mange massacreuse, il va me la bouffer avec Teferi, en fait. C'est ça le truc. Ça va revenir, ça va me faire chier. Alors que si je mange Teferi et que je lui pose 3 bêtes, je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai pas non plus 1000 mana. Mais je peux faire Druidess, Adjointe et Mystique. Non, il me faut un de plus. Putain de tarasse. Ok, je fais un play chelou. Je tente de faire ça. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Fais pas ça, fais pas ça, Olivier. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fais pas ça, fais ça. On va la jouer safe. On va la jouer plutôt safe. On va mettre ça. Voilà. Et est-ce que je joue la 4-3? Faut pas qu'il y ait une 1-1, quoi. Sinon, il veut une tuto avec. Allez, fuck. Bon, c'est un peu bizarre, mais de toute façon c'est bizarre. Comme match, c'est bizarre. En fait, il faut que je lui pose une menace, dans le sens où si jamais il a quelque chose, bon bah bien joué. Alors que là, de toute façon, il faut que je me défende. Après, c'est vrai qu'avec Tamio, il peut ramener un truc qui me tue adjoint. Non, mais ça va. Ça va. Là, s'il récupère. Ok, moins 3. En plus, il commence à tuer ses Planeswalkers. Ah, il récupère la 2-1. Bien joué. Et du coup, quand il fait Teferi, il a plus de Planeswalkers là. Il a adjointe et c'est tout. Et j'ai récupéré adjointe. En fait, ça va. Alors peut-être que ma chevalière était un peu greedy, mais bon. Est-ce qu'il aurait fait ce play-là sinon? Je sais pas. Ok.
T'as tué ma chevalière, c'est trop. Bon, il a encore une Tamio, c'est un peu chiant. Il a récupéré quoi? J'ai pas vu. Putain, j'ai. Ouais, bah Tamio, je crois. Tamio sur Tamio, très bien. Alors l'avantage c'est que maintenant je peux contrer les enfants. Je peux contrer des sorts. Et ça c'est plutôt cool. En vrai, je suis pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai pas le choix, il faut que je garde. Je rappelle qcouperet, il a un emblème couperet, quoi. Il a vraiment un emblème couperet. Oui, il faut savoir que j'ai au moins un mystique en main. Ok, il fizzle sur ça. Ah putain, je suis peut-être pas dead. Ok, ça c'est contré. Ah putain, je suis peut-être pas mort, les gars. Lâchez rien, quoi, lâchez rien, les gars. S'il a un terrain en main, je suis pas mort. Je peux même tuer Tamio. C'est pas un terrain, mais ça me va à peu près. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas tuer Tamio. Mais je peux attaquer avec adjointe. Ah attends, faut que je fasse gaffe à pas crever. Non, non, mais je suis bien là. Je suis très bien en fait. Avec mes deux contres en main là, je suis très très bien. Full attaque sur Tamio. Bien sûr, on me tue le mystique. Ou alors se dire, ah bah du coup, il faut que j'ai un nom. Il me tue mystique, okay. Bah, forcément. Ce que j'aurais fait aussi. Ok. Druidesse, druidesse, mystique. Est-ce que c'est curvable ça? Ou est-ce qu'il me manque un mana? 3, 4, 5, 6. Non, c'est parfait. Est-ce qu'il me garde bien mes deux verres de bleu, c'est bon. Oh là là, la remontada un peu, non? Et pourtant, je pense pas avoir fait des bons plays tout le temps. Hein. Mais là, je remonte bien. Alors, il faudrait bien qu'il fizzle. J'ai la chatte. Il joue son spell, je le contre. Ah, il a même pas de spell. Ouais, on va les garder. On va les garder bien précieusement. C'est ça qui va me faire gagner. Et l'avantage, c'est qu'en fait, je peux déjà le passer. Voilà. Est-ce que je peux faire ça? La réponse c'est oui, mais je vais pas le faire. Je tue Tamio, j'ai gagné. Je pense que j'ai gagné. Je veux pas vendre la peau de l'ours. Est-ce que je peux accepter marcheur? Oui, tous les jours. Je m'en fous. Voilà, maintenant en fait, il faut juste contrer les bons spells, quoi. Genre marcheur, ok. Je vais avoir de quoi faire énormément de mana. Putain, summum, qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce qu'il joue, bordel? Qu'est-ce qu'il joue? Il joue deux chalaïs. Si je vais chercher une autre chalaï, c'est vraiment bien, je pense. Deux chalaïs. Enfin, c'est X ou moins ou c'est inférieur à X, ok. Il faut juste que je garde pour un mystique. Donc, oh, mais j'ai largement de quoi avec mes druides là. Donc, va pour un summum à X égale. Putain, il joue quoi à 5? Merde. Je vais payer 5 parce que j'ai de quoi payer 5. Je vais payer 5. Alors. J'ai Chalaï. Ouais, 5 ça sert à rien. Je pensais qu'il avait genre un Tolsimir, un truc qui pouvait éventuellement être sympa. Chalaï sera très bien. Chalaï c'est parfait. Il faut du coup que je garde une druidesse. Mais une autre peut attaquer. Le fond verne, on discerne du blanc. Merde, oui. Effectivement. Ouais, c'est quand je me recule en fait. Ça a bientôt changé ça aussi. Je suis en train de faire un petit setup là dans ma maison pour que j'ai moins. Je galère moins avec un fond vert qui est un petit peu branlant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon truc suivant? Ok, tu passes à 13. En plus, je baisse bien. Mais je crois que j'ai gagné. Je peux pas perdre normalement. Si je fais pas de, si je fais pas de conneries, je peux pas perdre. Marcheur, je m'en fous. Ah, j'ai gagné. Tous les jours. Je peux limite mettre un mystique fin de tour en mode. Non, mais je vais pas faire le kick. Pfff. En vrai. En vrai, je te respecte pas, tiens. Hop. J'espère que ça va pas me retomber dessus. Mais normalement, c'est bon. Si je fais full attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux le faire qu'une fois. Si je fais full attaque, il se prend 4. Non, mais après, je peux aussi ne pas calculer.
garder mes trucs et attends. 4 plus 4 plus 4 ça fait 12. Plus 4, il est obligé du coup d'en bloquer 1. Faut que je fasse une fois. Faut que je fasse qu'une fois et que je garde un mystique en fait. Faut que je le fasse qu'une fois et je garde un mystique. Attends, fais pas de conneries. Je sens que je vais perdre bêtement sur une bêtise là. Attends, je le fais une fois. On va faire mal. Hein. Je vais pas trop compter. Je vais juste attaquer avec ça, avec ça, avec ça. Voilà, simple. Je garde le reste. Voilà, simple, simple. J'avais peut-être le létal. En fait, j'ai pas envie de calculer. Oublie pas l'emblème. Non, non, j'oublie pas l'emblème, justement. J'oublie certainement pas l'emblème. Voilà. Au prochain tour, j'ai juste gagné la partie. C'est là, je la joue très safe. Voilà. Oh purée, j'ai réussi à gagner cette partie qui était quand même un petit peu compliquée. Hein. Je vous cache pas, j'ai fait quelques bêtises. Alors, qu'est-ce que je vais jouer contre lui? Donc, fin des concertantes, il n'aime pas. Lyra, Lyra, bah, c'est pour qu'il me la prenne, non merci. Bonne news, ok. Veto, devine, adjointe, c'était bien des infections temporelles. Je pense que ça peut être bien d'en mettre au moins un chevalier, ça sert à rien. Il met deux chevaliers de base. Moi, je suis pas sûr qu'il a fait ça. Il a sué. Et moi, j'ai transpiré. J'ai transpiré, j'ai réussi à l'avoir, bah grâce à mes contres. Hein. Évidemment, grâce à mes contres. Ah, c'est quand même l'avantage que j'ai par rapport à lui, c'est que une fois que mon board il est à peu près ok, après il a fait des choix un peu bizarres. Il a sacrifié, je crois, peut-être 3 Planeswalkers en un tour pour essayer de me. Alors que bon, je pouvais quand même avoir des réponses. Il a été un peu pressé, peut-être. Peut-être pas le choix, hein. Je dis pas qu'il a mal joué, mais bon. Bah, sinon, ça va être la même chose. Je vais avoir envie d'entrer 1000 cartes. Summum, c'est ça qui m'a fait gagner. Hein. Enfin, en tout cas, ça a participé à ce que je top deck du coup. Enfin, l'avantage de Summum, c'est que c'est souvent un top deck, quoi. Bon. Je vais mettre une rendant de désinfection, ça me paraît bien. Des contres. Shalai, je crois que contre lui, c'est pas foufou. Alors, ça peut passer le vol, mais c'est pas génial, je pense. Ça se fait. Je pense que Shalai, c'est pas. C'est pas ma MVP. Veto 2. En fait, faut que je compte comme un connard. Peut-être virer les vigiles aussi. Je dis ça surtout parce que j'ai plus de temps et qu'il faut que je vende des trucs. Hein. On est d'accord que tout le reste, j'ai pas forcément envie de le rentrer. Il faudrait que je retire un truc. Est-ce que Krasis contre lui? Après, ce qui est bien avec Krasis, bon, je le retire. Hein. Ce qui est bien avec Krasis, c'est qu'il peut pas me le piquer. Avec Dreadnought. Bon, je sais pas si le side est optimal là, clairement. Mais ça m'a redonné fou en bande, vous voyez? Parce que j'étais en mode putain, les mecs ils ont des dread horde et tout, on peut rien faire contre eux. Bah, on a quand même des contres, les enfants, on a quand même des contres, on a quand même des planeswalkers. Putain. Et en plus, ah oui, j'avais ouvert la même langue tout à l'heure. Allez, c'est gardé. C'est gardé, c'est risqué, c'est gardé, c'est risqué, c'est gardé, c'est risqué, c'est très risqué. Je peux rien faire si jamais j'ai pas un bleu. Faut le virer, je crois. Faut le virer. Faut le virer, il me faut du bleu. Triste, mais bon. Ah, pas comme ça. Non, pas comme ça. Et vous êtes 100. Merci à tous d'être là. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et normalement, demain, vous aurez un stream où, quand quelqu'un follow, il y a un truc qui apparaît, machin. Quand je parle, on m'entend pas que d'une oreille. Des trucs qui vont être vraiment géniaux. Oh, ça sent la Vraska. Tu t'es pas pris deux pour. Ouf! Oh, c'est vrai que ça m'empale. Faut que je fasse gaffe à ça parce que. C'est vrai que ça m'empale. Heureusement que j'ai eu mon land. Qui d'ailleurs va arriver d'étape. J'assens mal hein, cette partie. Je vous cache pas que. Ouais. Ah bah lui, il en a. Ouais, je pense que ça va être. Ouais. Je pense que ça va être la fin. J'attends encore un peu. Si jamais j'attends, qu'est-ce qui se passe? Je peux faire des Teferi. Je peux attendre peut-être encore un tour. Parce que je vais faire des Teferi. En fait, c'est chiant que le terrain qu'il y avait derrière, c'était pas interrompable. Sinon, je le regardais évidemment. Et j'aurais eu 3 mana tour 3, ça aurait été différent. Donc, ça va être très compliqué.
Ah, il me faut un lendemain maintenant. Ah putain. Ah, je peux résister encore un tour. Ah, mais il a le moins 5. Oh, c'est infâme. Non, on va concéder. On va concéder maintenant. On va pas faire durer son plaisir. J'ai juste pas eu de chat. 0 land à la 1 et 1 land à la nowhere. Je pense que ça se gardait quand même à une main à 6. Parce que je commence à aller jusqu'à 5, c'est un peu pénible. Non, mais j'ai envie de rester un peu comme ça. Vigile. En fait, le problème de Vigile, c'est que clairement, ça passe pas contre lui, quoi. Ça passe assez peu contre lui. Là, le jeu se joue plus en mode. Oui, oula! Merci à Clémenceau pour son deuxième mois. Premier anniversaire. Merci beaucoup. Allez, gardons ça. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire. Ouais, non, ça fait un bon mois maintenant que je stream. Je crois que c'est aux alentours du 15 avril, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à être en vacances à MB. Et du coup, je crois que ça fait après un mois et demi que je stream. Et du coup, ça se passe bien. Et même de mieux en mieux. On va garder cette carte, oui. Ah oui, j'ai des landes à. Toi, c'est demain, Cosmos. C'est vrai que vous étiez les premiers. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais. Est-ce que le play, c'est pas plutôt de faire un port de l'arrière-pays? Comme si jamais je pioche un land, je fais double elf. On va faire ça. Si je pioche une forêt ou un land vert, je peux faire double elf au tour 2. Ça peut être pas mal. Et en fait, me prendre 2 points de vie. Bon. Ah ouais, mais du coup. Bon, du coup, c'est pas grave. Je prends 2 points de vie. Non, les points de vie contre lui, c'est pas. Enfin. Il peut me tuer à l'agression, mais ce sera sur. S'il me tue, ce sera surtout à. J'ai un gros board, pas toi, et bien joué. Est-ce que je fais Elf Teferi là? Elf Teferi, c'est bien. C'est mieux de commencer, hein, Magic. Hein. Non, y a, la liste du deck, non, je l'ai retirée. Parce qu'en fait, c'est pas le bon deck qu'il y a dans Stream Decker. Et du coup, j'ai retiré que vous pouviez pas avoir de liste qui est pas la même. Parce que ça, c'est une liste que j'ai pas mise sur Stream Decker. Et c'est chiant. Bah, bien joué, gros. Triple Anowar. En fait, si la finale machin là, je fais de l'avion. J'ai envie de faire ça. C'est clair que s'il a le truc de Liliana là, je fais vraiment, genre vraiment, vraiment l'avion. Mais en même temps, comme de toute façon, je pense pas avoir un match-up très favorable. Autant faire des plays comme ça un peu all-in. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ma foi. On aurait pu faire un éphémère en plus. On va voir. Hein. Puis on repassera la partie d'après, tant pis. Je crois que ça en joue pas 4 non plus en inside, hein, ça en joue genre 2. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va parce que là ça va être adjoint. Attends, il en est où son. Ah, dégage, je vois pas. 2, parfait. Parfait. Parfait, 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 parfait. Alors est-ce que je peux pas faire plutôt Teferi? Ouais, Teferi, c'est un peu dommage. Là je suis à combien? Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Pour 7 mana. En fait, il me faut garder Mystique. Est-ce que je peux faire adjointe et garder quand même? Ouais, je peux faire adjointe. Ouais, c'est un peu le bout du monde. Ouais, ou alors je pioche. Je lui renvoie Ranger, tant pis. Je lui renvoie Ranger et je pioche. Je suis là pour avoir un land en fait. Ouais, plutôt pas mal ça. Plutôt pas mal parce que du coup, je peux faire mon play druides. Non, attends. Attends, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste faire suivant. J'attaque avec ça et ça. Voilà. Et là, soit il me joue quelque chose et je contre, soit il me joue rien et je peux faire Druides. Je peux booster Druides. Terminer le tour. Ouais, je suis pas trop mal. En plus, je peux refaire un Teferi. Voilà. Ça, par exemple, ça va se prendre. Ah, ce qui est chiant, c'est que je peux pas faire Druides. Je peux pas faire Druides. Ah, ça va se prendre Mystique pour être aggro, je pense. Je peux pas faire Druides dans bot. Mystique, c'est bien. Pense que je peux la gagner là, à l'agression en fait. C'est con, mais.
Ouf. Bon ça. Commence à être cochon ça. Par contre, j'ai bien envie de taper des elfes de la noire plutôt. Oui, parce qu'en piscine, je pourrais pas faire adjointe. Donc tapons deux elfes. Pour mettre maman Nissa. Ah, j'aurais pu aussi faire plus 1. Je préfère faire moins 2 pour avoir du CA. Ouais, c'est bien ça. Deux adjointes, ça va vraiment le faire chier. Je suis pas mal là. Hein. Je suis pas mal du tout là. Enfin, le plan se déroule bien quoi. Peut-être plus lui mettre plus, je sais pas. Là, en fait, je feins un serpent. Mais en même temps, si je fais une botte, c'est un peu gâché, quoi. J'ai peut-être dû attaquer avec ça. Non, ça passe pas. Le problème, c'est que là, j'ai plus de contre. Le problème, c'est que là, j'ai plus trop de contre. Ouais, c'est pas ça qu'il me faut. Putain, je peux faire mystique. Je pense qu'il faut faire Teferi mystique. Le fond vert se rebat. Bordel! Allez voir, ça va changer ça. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est plutôt ma cam là. Parce que le fond vert en fait il bouge pas. C'est juste ma cam qui se barre là. Excusez-moi pour ce non-professionnalisme. Donc, plus 1 c'est sûr. Plus 1 sur. Plus 1 sur Druidet. Non, mais Druidet ça a pas besoin d'avoir plus 1, je suis con. Plus 1 sur un Lanoa. Ça, j'ai pas le choix. Ok. Ensuite, Teferi va faire moins sur Mystique. Donc, avant, j'attaque. J'attaque avec mon elfe qui a la portée, mon Mystique. Ok. Teferi fait moins 3 sur le Mystique pour que je puisse le jouer. Je pioche une carte qui s'avère être une carte qui ne me sert pas dans l'immédiat. Et je fais fin de tour. Je pense que depuis tout à l'heure, en comptant mieux, j'aurais pu mettre des coups de Delphes, mais bon. Alors là, il va falloir bien calculer. En vrai, Ranger, je vais pouvoir le gérer avec plein d'autres trucs. Donc je le garde. Je garde mon compte. Alors, prends tes lentes, si tu veux. Ok. Vraska me fait chier. Donc je vais lui mettre... un coup de mystique. Attendez, est-ce que Vraska me fait vraiment chier? Vraska va me tuer Druides. Je crois qu'il faut pas tuer... il faut pas mettre Vraska là. Il faut pas contrer Vraska, je veux dire. Là, il faut vraiment que je garde mon seul contre, tant que j'ai qu'un seul contre, pour le truc horrible, quoi. Alors, en plus, il fait plus de... Parfait. Ouais, il est vraiment en mode je dois piocher, en plus c'est parfait. Ok, et là par contre, et là, passer à la fin du combat. Du coup, je peux faire du coup ma druidesse qui grossit, ça c'est cool. Sur adjointe. Donc ma druidesse avec tous mes elfes de Hanawar. Aussi. Ah putain, je peux pas faire adjointe. Merde. Si, c'est bon. Ma druidesse grossit. Et du coup, je fais une adjointe. Adjointe peut virer Vraska ou Ranger. Elle va plutôt virer Ranger. Ouais, je sais pas. Ok, un land, c'est cool. Donc, moi, je peux me permettre de prendre 2. Ça me va très bien. Je peux faire Vivienne moins 2 pour voir ce que j'ai. Rien. Je peux faire plus 1 à Teferi. Ok. Et ah, j'aurais dû faire fin des concertantes sur sa merguez. Merde. Bon. Et je peux attaquer Vraska, en fait. Voilà, comme ça, j'ai pas à trop m'emmerder. J'attaque Vraska.
Voilà, ça me sauve un. Normalement, là, cette partie, je la tiens bien. Je sais pas si vous avez vu. Je peux faire un. Alors, vérifie bien qu'on peut faire un mystique. Oui, c'est bon. Ok. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, j'aurais pu avoir le létal en deux tours. Ah, j'ai peut-être été peut-être un. J'aurais peut-être dû la jouer peut-être plus aggro. Parce qu'avoir le létal en deux tours. Genre là, je faisais adjoint. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais faut pas trop que je tarde en fait. Trophée sur adjointe. Ah putain. Faut que je le laisse passer. Oh bah c'est bon. Je pense qu'il a compris que de toute façon, ça va être difficile de revenir. Là, je joue. Enfin, vraiment, enfin, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait du contrôle, mais. J'allais dire intelligent, mais c'est pas très humble. En gros, je pionçais pas pour rien, quoi. C'est que j'avais vraiment la peur de me prendre un gros truc, et que, du coup, il fallait que j'y aille petit à petit, machin, tout ça. J'ai pas fait exprès de jouer lentement ou de. Bon, bref. Donc voilà, un petit band sympa du coup. Alors je ferai quelques petits ajustements, mais le fait de faire des summons de la destruction, j'ai toujours trouvé ça dommage que dans band on profite pas de l'effet plus 1 de Teferi. Avec Hydro. Comment ça s'appelle là, Hydro machin là? Non, c'est pas ça, putain. Genesis, non? Hydrocarbure. Néoforme, rien à voir. J'avais essayé de faire des bands avec Néoforme au début. Et bah le problème c'est qu'on perd deux cartes pour en chercher une. Alors des fois c'est très bien, hein, mais parfois c'est bah on n'a pas de carte en jeu ou ouais, c'est pas forcément terrible. Et du coup Summum, c'est pas si déconnant. Et puis mine de rien, faut pas oublier que 12 mana, c'est pas absolument infaisable, notamment avec les druides. Alors il joue pas de Nissa. Et que 12 mana, on gagne la partie. Hein. On va chercher n'importe quelle bête qui file plus X, enfin. Ouais. Donc du coup c'est pas déconnant de peut-être rejoindre un peu plus Brandt, j'avais un peu délaissé pour l'instant au profit des trucs plus Sultai, notamment à cause de Command the Dread Horde. Bon, alors ce deck-là du coup je l'ai pas mis, mais c'est un deck token. Et en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué ça. Et c'est un jeu qui clairement pas, enfin qui est clairement pas sur le devant de la scène comme il a pu l'être pendant un moment. Et du coup, je me dis, bah tiens, pourquoi pas le rejouer? Et effectivement, actuellement, les gens nous laissent un peu faire les choses qu'on veut. C'est-à-dire que pourquoi il y a autant de decks, enfin, selon moi, autant de decks qui peuvent abuser du mana? C'est que comme maintenant il y a plein de Planeswalker, on peut pas se permettre de jouer trop de removal de base. En tout cas, de base. Et du coup, on arrive à pulluler un petit peu, à faire des gros trucs en mana. Et donc, du coup, ça, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui, si on lui donne un petit peu de temps, peut être délirant, notamment à cause de cette carte, enfin, grâce à cette carte. Donc, retestons ça. Sauf que cette fois-ci, je vais pas faire la même connerie. Je vais vous filer la liste du deck. Et pour ça, il faut que je fasse. Alors. Attendez, que je révise 2 secondes là. Parce que j'ai fait dans l'autre sens, mais pas dans ce sens-là. Il faut que je mette en anglais. Ok. Il faut que j'aille dans deck. Il faut que j'exporte la liste. Donc de token. Voilà. Il faut que j'aille dans un fichier texte. C'est pas si simple, mais une fois qu'on l'a. Voilà. Bloc-notes. Dans le fichier texte, je mets la liste. Fichier enregistré sous le bureau, je l'appelle. Alors, comment il s'appelle le gars? Bant. Dreamette. Bon, encore une fois. Ah non, c'est pas Bant, c'est token. Dreamette, c'est le nom d'un mec qui a mis ça sur un site, je sais pas si c'est son deck. Hein. Mais bon. Voilà, et ensuite je vais dans mon petit truc qui s'appelle. Qui va arriver dans les Merde, 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 merde. Attendez. Je vais dans mon petit truc qui s'appelle. J'ai déjà la liste, t'embête pas. Bon, si Prozac a la liste, alors ça va. Voilà, tac, deck, upload new. Ça prend 1 minute max. Hein. Ok. Là, je fais token Dreamette. Voilà. Ok, c'est Ascurrent. Et normalement, vous avez la liste. Normalement, vous avez la liste. Alors, il faut que je le réactive. Non, je crois que c'est bon. Voilà, dites-moi si vous avez la liste sur le Stream Decker maintenant. Je vais repasser en français. Mais normalement, c'est bon. C'est quand même très bien. Pour moi, il y a quand même une ou deux étapes de trop. Mais c'est quand même pas dégueu. Hein. En tout cas, pour les gens qui me regardent sur Twitch.
Voilà, vous avez la liste. Et alors sur YouTube, en fait, c'est pas compliqué. Maintenant, à partir de maintenant, je vais mettre le lien de mon site, enfin de mon site, de mon profil sur Streamdecker. Comme ça, vous aurez tous les decks que je joue. Parfait. Alors, je trouve ça vraiment très bien. Encore une fois, on augmente un petit peu la qualité de cette chaîne qui va bientôt devenir insane. Allez, jouons ce band. Non, j'ai déjà joué. Jouons ce token. Et ce sera le dernier match. Alors, suivant l'heure à laquelle on finit, je vais peut-être. Parce que l'événement Niv-Mizzet. Je recommence. L'événement Momir se finit dans 40 heures, là. Demain soir. Et il me reste deux victoires avant. Donc peut-être que je ferai au moins une victoire ce soir. On va voir. Oula, alors que j'ai ma webcam qui est un peu en PLS. Donc, j'ai une main de merde. Non, j'ai pas une main de merde, mais j'ai une main Gambit. Ah, mon adversaire joue en premier. Donc on est d'accord, j'ai quand même deux. Alors combien il joue? Alors, ce qui est pratique, c'est du coup, je peux avoir la decklist. Combien il joue de land? 21. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Si, c'est carrément celui-là. Il joue 21 land, mais il joue 4. Comment ça s'appelle? Il joue 4 Flower Flourish là. Allez, je garde, on verra bien. Pire, je concède, et puis voilà. Je préfère à la limite garder des mains un peu chelou que je garderai jamais en tournoi. Chaîne quasi pro, l'évolution en un mois est énorme. Bah, on augmente. Oh, puis en plus, je chatte un peu. Vraiment, j'augmente, je suis content. Parce qu'en fait, ça allait. Enfin, on peut très bien streamer avec un micro un peu naze, sans setup derrière, sans machin, mais. Mais clairement, je pense que comme mon but est vraiment de faire ça en mode pro, enfin, il me faut de quoi gérer derrière, quoi. Alors, plutôt migration ou plutôt marcheur? Bah, percepteur. Je crois que là, le but, c'est plutôt de faire migration. De toute façon, ils s'en foutent, ils jouent pas en éphémère. Bon, on va commencer à pulluler de bêtes. Parce qu'en plus, dans son main deck, je suis sûr qu'il a pas grand-chose pour gérer le trop-plein de bêtes qu'on va lui faire. Et puis on le soutient avec tout notre amour, et ça c'est effectivement Psychotic Raven le principal. Mets quelques points, c'est pas grave. Tout va bien, tout vient dans l'ordre, donc ça c'est bien. Histoire, voilà. Donc le but du deck, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de flouder le board de créatures. Qui donc du coup c'est très sensible comme deck à Cri du Carnarium, Colère de Kaya, enfin c'est vraiment un deck qu'on a envie d'éviter certaines choses, hein, clairement. Mais alors une fois que c'est parti, vous allez voir, donc là on est sur un Bant d'ailleurs, on est sur un Bant. Alors Bant ou alors c'est peut-être un 4 color Dread Horde, puisqu'en ce moment c'est un peu la mode, qui n'a pas touché encore son noir. En fait, vu les landes. Ouais, vu les landes, on a plus envie de croire un Bant, mais il y en a moins en ce moment que des Dread Horde, donc je sais pas. Il me gère un token, ce qui est pas mal. Mais on en a tellement. Bon, après, il faut que ça arrive à 5 mana, hein, ce jeu. Ok. On va pas avoir que des landes à tous les tours non plus. Emara, ça paraît bien. Je crois que contre Dread Horde, je suis pas. Enfin, si mon jeu joue, tourne à peu près bien, ce qui est cool, c'est qu'en fait, j'ai pas de pack explore. Donc il a rien à me prendre. Enfin, il y aura peut-être quelques bêtes à me prendre qui vont au cimetière, genre des maras, des machins, mais. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein, c'est bien 4CC. 4 color contrôle. Enfin, non, du coup, c'est pas en contrôle. 4 color machin. Alors l'avantage, c'est que. Même s'il a 6 mana pour me faire son spell, là, c'est pas intéressant. Ceci, au bout d'un moment, je vais vite crever, donc il faudra quand même que. Malheureusement, je fasse des blocs ou des attaques. Après, je peux facilement chum bloquer dans ce deck. Il attaque pas, qu'il a intérêt de pas attaquer, j'en vois pas. Pas intérêt de pas attaquer. Ok, boss case est cool. Alors là, je pourrais faire une marche maintenant, mais on va attendre un petit peu. Parce qu'il a l'air en plus de pas attaquer, donc bah, on va attendre un petit peu. On va attendre le prochain tour. Sauf si j'ai trop stani. Sauf si j'ai un mana pour trop stani. Voilà, donc là, regardez. No, non, pas que je joue ça, on va jouer ça. Nos boards se regardent là. Et à un moment donné, sur mon tour après d'ailleurs, on va dépasser cet homme.
Avec ses 4-6. Tu chattes bien avec mes landes. C'est vrai que j'ai un 7 réussite. Pour quelqu'un qui a gardé un land, je suis plutôt content. Alors, ce qui est à peu près cool, c'est que là, on est contre un deck qui ne contre pas. Ah, 3-5, c'est un peu chiant. Qui ne contre pas, qui détruit assez peu les bêtes, en tout cas main deck. Et du coup, on va pouvoir lui mettre du sale au tour d'après, parce que là, du coup, je suis encore là. Donc, allez voir ce qui va se passer au tour d'après. Alors, faut pas que je... par contre, faut pas que je me plante. Je peux pas le faire en éphémère s'il a Teferi. Donc, je peux pas faire fin de tour, blablabla. Ok, donc je le fais maintenant. Je le fais maintenant. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moins 3, ça fait 8. Marge de la multitude, mesdames et messieurs, à x égale 8. Donc là, je tape tous mes... Je fais déjà la convocation, en fait. Donc, je tape toutes mes créatures. Et je mets 8 tokens. Et marrant, mais un de plus. Voilà. Ces 8 tokens ont le lien de vie, en plus. Et là, vous voyez un peu le principe du deck, c'est que si jamais j'en avais une autre de ça, je pourrais faire 1, 2. Bah, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'avais 11. J'avais 11. Donc là, en fait, je refaisais 11 plus 11. Ouais, sans dire que je crois que je faisais le double du coup. Je pouvais faire 22 créatures. Et là, du coup, on peut gentiment faire. Bah, ok, je bloque ça. Voilà. Même pas. Si, 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 on va pas crever parce qu'en fait, on est à 9. Donc, on va pas faire le malin. Donc voilà, je vais juste bloquer ça 5-4. Voilà. Et autour d'après, si j'ai un land et que je joue une Trostanie, toutes mes 1-1 de merde vont devenir 2-2. En vrai, c'est intéressant parce qu'il est même pas mort avec mon Flood. Hein. Après, j'aurai une floraison. Ça, c'est une très bonne carte dans le jeu parce que du coup, ça permet de stabiliser le mana au début. Et sur une fin de partie, ça peut. Bon, si j'en ai à faire ça, ça va. Mais là, on sent qu'il est. Et en plus, c'est vrai qu'il a. Là, s'il lance une commande de Dread Orb, bon, il peut quand même ramener 2-3 trucs. Mais moi, j'ai rien à lui filer, hein. Donc peut-être que c'est un jeu de l'ancienne méta qui. Ah, tu l'as. Bon, moi, je veux juste un land. C'est tout ce que je demande. Ah, il le joue même pas. Il doit sûrement en avoir un en main. Re-Teferi. J'ai tellement de bêtes là que je suis vraiment bien. Et sur une Trostanie, je peux peut-être commencer à attaquer. Faut que je vois, parce que le problème c'est qu'il y a pas mal de bloqueurs. En fait, là ce qu'il me faudrait, c'est un autre marge de la multitude. Là, je serais vraiment très bien. Et on pourra commencer à faire le malin en mode j'attaque avec tout. Bon, bah, ce sera Trostanie. Et je crois que je peux commencer à attaquer avec des trucs là. Alors. Je réfléchis, mais en fait, là, ouais, je peux carrément commencer à attaquer avec des trucs. Il faut juste pas que je crève bêtement. En fait, je vais gagner tellement de points de vie. Je crois que j'attaque avec tout. Il me tue quelques bêtes. Genre. Ouais, en fait, on s'est attaqué avec tout dans sa gueule. Voilà, on va pas faire trop le. Bon, alors, regardez ce qui se passe. Très attaquant. C'est parti. Bloc. Donc, évidemment, il y a la C-Suite qui va bloquer. Bah, il va me tuer deux bêtes quoi. Enfin, il va me tuer deux bêtes. Il va me trade. Je vais y arriver. Il va me tuer des bêtes alors que moi. Bah, ces bêtes-là en fait vont résister à mon assaut. C'est un peu qu'on est rebloqué ça là-dedans, je pense. Tu veux pas que ta bête. Ah si, il veut que sa bête meure pour pouvoir faire des. Ah, c'est vrai qu'il veut faire des commandes lors de l'effroi lui. Oui. Pa-la-pa-pa-pa-pa-la. Value trad, c'est ça. Cherchez le mot. Voilà. Je repasse à 22. Alors, il a fait un petit ménage quand même. Hein. Il a fait un petit ménage. Le truc, c'est qu'en fait, il est passé à 18. Ce qui fait que son commandé. Ouais, bon. Bon, c'est pas le truc le plus impressionnant. Mais déjà, ça prouve que je peux commencer en fait à attaquer dans ses points de vie. Ok. Ça va être bizarre comme elle n'a vraiment pas fini cette game. Hein. Alors après, si je mets plus de plus de à tout le monde, peut-être des chances quand même que ça passe. Mais là, il va gagner plein de points de vie grâce à Sorin. C'est bizarre, il a pas l'air d'avoir commandé la horde. Ou alors il en a une en main et il attend de faire d'abord Sorin. Ok. Trostani te redonne tout ce qu'il te prend et Commander by the way. En plus, c'est vrai que c'est très fort s'il fait commander la horde. Oui, mais de toute façon, j'ai rien là. Enfin, s'il peut me prendre ouais, un percepteur. Mais c'est vrai, oui, en plus, je joue des Trostani. Donc là, s'il attaque, de toute façon, je bloque avec rien. On a rien à foutre. M'en fous de mes points de vie. Là, si j'ai un land, ça va faire mal. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Si je fais full attaque. Ah, ça peut peut-être valoir le coup de lui
Péter ces Planeswalkers là par contre. Oh, quoi que je m'en fous un peu. Si, parce que le lien de vie ça m'emmerde grave. En fait, il va me tuer plein de bêtes si je fais ça. Non, là je pense que le play c'est de. Ça vole ce truc là, non? Il y a rien qui vole. C'est marrant, je le vois au sol, je le vois pas voler là. C'est cool ça, attendez, parce que j'avais pas vu que ça volait. Bon, là on va pas faire un full attaque. On va juste tuer Sorin. C'est un bug de token qui fly, d'accord. Bah, ok, ça c'est très bien. Ensuite, on va faire Emara. Ok, percepteur de dîmes. Et un Loxodon qui va du coup engager Emara, évidemment. Et engager. Bah, lui, il met des points au vol, donc ça peut être sympa. Surtout que Teferi sera à 3 au prochain tour. Ah, mais il est déjà engagé, connard. Puis il a peut-être des 3-3, du coup. Enfin, des. Ouais, je pense que là, ce qui est bien d'engager des. Ah, je vois même pas. Je vois pas, putain. On va engager des trucs qu'on vient de vivre. Je sais pas combien il y aura eu de différentiel de points de vue dans cette partie, mais. Entre lui qui. Bon, avec Sorin, finalement, il en a pas trop abusé. Ouais, là si j'ai un land, ça me fait plus de à toutes mes bêtes. Je sais pas combien j'ai de bêtes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 13. J'ai 18 créatures. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bêtes. Du coup, il y a 12 qui passent. Il y a 12 bêtes qui passent. Les 12 bêtes les plus petites seront 4-4. 12 fois 4, 48. Non, en plus, il décide d'attaquer. Bah alors je vais devoir lui laisser quelques trucs du coup. Ah bah en fait je suis bien content de bloquer avec mes percepteurs pour avoir le vol. Et là le but je pense que c'est pas de lui mettre des bêtes au cimetière. Donc on va bloquer comme ça. Ça fait un peu bizarre. Mais le but c'est pas qu'il y ait des bêtes au cimetière pour pouvoir les réanimer. Ah ça m'intéresse de bloquer là. Oh j'aurais peut-être pas dû bloquer avec tout ceci, j'étais un peu. Bon, j'aurais peut-être juste dû bloquer avec le percepteur en fait. Je suis con. Non je suis con. Et si c'était la fin pour toi, gros? Ah bah non, il faut que je pioche un land. Parce que j'étais en mode c'est bon, j'ai gagné. Non, non, mais il faut que je pioche un land. Faut que je pioche mon terrain, et pour l'instant, j'ai eu de la chance avec les terrains, donc on va y arriver. Oh putain! Ah, je le tue même. Si, je crois que je peux pas le tuer, parce qu'il a quand même 3 bêtes en moins. Bon, faudra que je fasse les maths. Mais je crois que je ferai pas les maths. Je crois que si jamais j'ai mon land, j'attaque avec tout, on en parle plus. Putain. Ah! Ceci dit, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au tour d'après, j'ai forcément mon land. Donc il faut seulement que j'attaque avec ça là-dessus, ça là-dessus. Et quelle bête on va envoyer au charbon? Une 2-2. Une 2-2 ou une. Ouais, une 2-2. Voilà. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, c'est sûr que j'ai mon land. Et normalement, j'ai gagné cette partie. Après, il a 45 l'animal. Hein. S'il commence à faire trop de. Une de lifelink, tant qu'à faire. Oui, non, mais j'aurais su une de lifelink. Ah, tant qu'à faire, tu veux dire attaquer avec ça? Bah, en fait, je gagnerais plus de points de. Oui, non, j'aurais peut-être dû. Oui, c'est vrai. J'étais en mode, je gagnerais plus de points de vie avec Fleur, mais de toute façon, normalement, je suis censé le tuer. Donc, oui, ça me faisait gagner 2 points de vie, c'était peut-être mieux. Je sais pas, c'est un peu kiff-kiff là. En fait, je joue vraiment un jeu qui l'emmerde parce que il a pas de piétinement, il a pas de bêtes qui volent. Faut préserver les tokens lifelink, ouais. Je pense, ouais. Bon, normalement, j'ai gagné. Enfin, je dis ça, je sais pas, parce que là, s'il me fait un Command of the Red Horde, il passe à tellement de trucs, il peut me gérer mes. Parce que si j'arrive à me gérer, genre, trop Trostani, c'est chiant. Genre, si, même s'il me la boon, c'est pénible, ça me fait perdre un tour. En vrai, s'il a Dread Horde, je suis pas. Enfin, c'est chiant, quoi. Après, en fait, à l'inverse, je vois pas trop comment il peut gagner lui. Bon, alors, on va. Très bien. Donc bah, tu vas me montrer comment tu peux gagner. Mais je pense que c'est possible, hein. C'est possible, il ramène quand même plein de Planeswalkers, le bourre. Ah oui, il va gagner masse points de vie avec. Oh là là, mais la partie est pas finie, quoi. Il va gagner masse points de vie avec Soso, là. Par contre, il bounce pas trop Stani, c'est chelou. Je pense que je l'aurais bouncé. Il a peur de vouloir attaquer avec trop de trucs non plus. Hein. Il peut pas se permettre de trop attaquer.
m'en fous là. J'aurais mis que je bloque avec mon jeton. Je bloque avec mon jeton à Danto. Histoire de pas me prendre un truc backdoor, genre je sais pas ce que ça peut être. Il est où mon jeton 1-1? Ah bah il est 2-2, je suis quel con. Bah vas-y, je bloque ça quand même. Je fais pas trop le malin non plus. Faisons quand même attention. Bon alors ensuite. S'il me fait Teferi sur 3 Stanis, ça m'emmerde grave. Allez, Mara, je veux bien. Vas-y, vas-y, Mara, Mara, Mara. Yes! Rien à foutre. Il sait pas que j'ai Flore en main. Hein. Ok, ensuite Trust Tamio sur ce que tu veux. Je pense que j'ai gagné. 1. Ah, il a 46 le mec. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il a 6 bloqueurs. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 10. Putain, je vois pas. Pute. Pardon. 10, 14. 14. Ah, et puis il va rejoindre un Ranger là. Ah, j'ai pas du tout gagné. Oh, j'ai pas du tout gagné. Merde. Oublie pas le token d'Anton, c'est bon, j'ai fait. Ah ouais, en fait, il a 55 l'animal. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une autre marche. Là, on serait plutôt bien, là. Ah, j'ai un... non, mais j'ai pas trop le choix, là. Il faut que je le fasse. En fait, je vais gagner tellement de points de vie avec mes lifelinks. Bon, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 trucs. Moi, j'en ai, je l'ai compté tout à l'heure. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 3, 10, 14. 14, ça veut dire 14 moins 7, ça fait 7. 7 fois 4, parce que c'est ça qui va passer, ça fait 42. N'importe quoi. 7 fois 4, ça fait 32. 7 fois 4, ça fait 28. Quel connard, mais quel connard. Désolé, hein, j'ai du mal. 28, ça veut dire que ça le tue pas du tout. Excusez-moi, je suis vraiment très con. Il y a la fine qui prend son tour. Je vais pas le faire tout de suite. C'est une connerie, pas le faire tout de suite. C'est une connerie, pas le faire tout de suite. C'est une connerie, pas le faire tout de suite. Je le fais tout de suite. Ah, je peux pas. Quel connard, parce que j'ai joué l'autre truc. J'ai déconné. J'ai joué Mara. Putain. Je voulais le faire tout de suite pour pouvoir tuer Sorin, Teferi, compagnie là. Parce qu'en fait, ça me fait chier. Le problème c'est qu'il va le ramener avec il va la ramener avec Tamio, ça m'emmerde ça. Peut-être mal joué, j'aurais dû le faire quand même. C'est-à-dire je le tuais pas mais je tuais tous ses Planeswalkers. Ouais, Emara m'a tué là-dessus. Bon, après là où c'est pas très grave, c'est que à chaque tour qui passe. Enfin là j'ai mis une bête en plus, je vais remettre une bête. Lui il pourra pas avoir non plus bête infinie, enfin au bout d'un moment il va. Tamio m'emmerde en fait. Tamio me fait bien chier. Alors vous imaginez pas si j'arrive à choper un. Ouais putain, il va remettre le lien de vie. Oh là 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 là, la partie est pas finie. La partie est pas finie. En fait, j'aurais pas dû le prendre à la légère parce que bon, je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Mais j'étais en mode c'est bon, c'est gagné. Pff, en fait, en vrai, le truc c'est que je vois pas trop comment il peut lui gagner. Je vois pas trop comment il peut passer en fait. Il peut pas passer ma horde et au bout d'un moment je vais avoir un autre marge de la multitude. Et là je vais vraiment genre gagner facile. Enfin, au bout d'un moment. Ah, il se découvre. Attaque avec tout gros. Alors, je fais un token. Ok, ce token bloque la 10-12, c'est évident. 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Tout à l'heure, je me suis quand même bien fait niquer sur les maths. Est-ce que j'ai pas envie de tuer son ranger en vrai? Bon, ça me fait chier ça. Ouais, mais s'il ramène, c'est infâme. Problème, c'est que je peux pas les tuer des bêtes. Parce que s'il les ramène, ça fait beaucoup trop de value.
Bah, du coup, autant bloquer une 5-4 par contre. Alors, 5-4, 10-12, ok, ça va. Qui va gagner? Je sais pas. Normalement, je suis bien. Oh putain, j'avais oublié. Putain, je crois que j'ai. Je crois que j'ai failli mal calculer, faut que je fasse gaffe. En fait, il aurait fallu plus de 2-2 vols, quoi. Non, bah là, je vais le faire, là. Là, je vais le faire pour pouvoir tuer tranquille Sorin. Ah putain, je peux même pas le tuer tranquille, Sorin. Fasse gaffe à ça, n'empêche. Bon. Faut le faire maintenant. Il faut tuer Sorin. Il a plus de bêtes là, putain. Il a plus de bêtes, faut que j'y aille là, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Allez. Tac, plus de jusqu'à la fin du tour. Merci. Ok, je tue Sorin. Et j'ai envie de. Bah, en fait, le problème, c'est que si jamais. Enfin, là, c'est pareil, en fait. Que je lui mette tout dans la gueule. Ou que je le mette sur ses Planeswalkers, il va juste bloquer pile les trucs qu'il veut pas bloquer. Donc, non, ça va être tout dans sa gueule, j'ai pas le choix. J'ai malheureusement pas le choix. Par contre, je vais gagner plein de points de vie. Alors, évidemment, il faudra quand même que je garde des bêtes pour défendre. C'était un peu chiant de faire ça. J'aurais dû faire full attaque sur lui et en prendre. En fait, l'Oxodron, il a pas du tout envie d'attaquer. Et Mara, est-ce qu'elle attaque pour se faire tuer, mettre une 1-1? Trostani n'attaque pas, c'est sûr. Les 4-4, faut qu'elles y aillent, je crois. Je sais même pas. Toute façon, l'Oxon il sert à rien à part ça. Hein. L'Oxon il sert à rien. L'éléphant, bon. Et Mara, en fait, s'il attaque pas maintenant, à quoi elle sert? En plus, elle va mettre une 1-1. Ah, il peut la récupérer. Non, non, ça va, ça va. Il peut la récupérer grâce à Trostani. Bon, j'essaie comme ça. J'espère que c'est pas. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Ah, mais en fait, j'attaque avec tout là, merde. J'étais en mode il me faut des bêtes pour me sauver. En fait, j'ai juste attaqué avec tout, quoi. Ok, ça c'était mort. Heureusement qu'Emara m'a mis une petite 1 derrière parce que. Il gagne 30. Non, il a le point de vie que pendant son. Il a le lien de vie que pendant son tour. Moi, je gagne pas que 30. Je gagne plus, j'espère. N'importe quoi ce qui se passe. Je suis à 37. Ah, si, ouais. Ok, je pensais que je gagnais plus. Bon, je sais pas si c'était le play le plus évident. En vrai, j'aimerais bien toucher un autre truc qui met plein de 1 pour vraiment pouvoir le dépasser parce que là. S'il rechoppe un sourire en plus avec ça. Commandé. Non, il revient une commandée. Un commandé. Est-ce qu'il peut mourir à la meule à un moment donné? Je suis à 24, je suis à 42. Ce qui est sûr, c'est que si ça se termine là, j'ai gagné 32. Bah, je pensais gagner plus. Je voyais plein de bêtes tokens. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai sacrifié mes bêtes tokens en fait. J'ai sacrifié mes bêtes à life depuis un moment. J'aurais peut-être dû les garder. Je sais pas. Et un des trucs qui m'ont quand même bien aidé, ce sont mes petites bêtes vol, hein, mine de rien. Ça m'a quand même bien aidé. Bon, je parle pas trop Stani, je parle pas de. Voilà. Bon, il est revenu à 44. 44, ça veut dire que si je repioche une flower. C'est peut-être bon. Ouais, fait comme on dit. Oh, il remet tous ses Planeswalkers. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, putain. Il a peut-être gagné, en fait, hein. Ah, sans envie, ça me fait ch... Non, je m'en fous. Ah si, il peut me tuer mes 2-2 vols. Là, pour l'instant, c'est un peu mes MVP, les 2-2 vols.
Ah putain, il a un héros de il a un héros de Dominaria en plus maintenant. Oh là 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 là. Mais en fait, il va gagner cette game en fait. En fait, il va gagner cette game. J'aurais pas vu assez de marche. J'aurais dû avoir une marche de plus parce que là, j'étais un peu léger quoi, avec tous les points de vie qu'il a gagnés. Pas très bien joué ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué le jeu. Ah ouais, d'accord. Ah merde, il a peut-être calculé, je suis peut-être mort en fait. Je suis peut-être juste bien mort en fait. Ou alors il en a marre, je sais pas. Je suis peut-être juste mort. Huit. Je suis pas mort à 8. Il est à 100. 10 à 100. Ça va bien se passer. Après, il a raison d'attaquer parce que. Alors, à moins que je rechope une. Même si je rechope un plus 2, là, je suis. 10 à 100. Impeccable. Tout se passe bien. Ah, il va me tuer, main. Comment il a tué Trostani? Ah, putain! Comment il a tué? Comment il a tué? Ah, j'ai bloqué une 4. Ah, la cam, putain. Vraiment que je change ça. Ah, j'ai chié en plus, je lui ai filé une Trostani. Ah, je voulais pas du tout trade. Merde, je sais pas pourquoi je la voyais plus grosse qu'un 4. Ah, j'ai déconné là-dessus. Bon, ça va sûrement être la fin. De toute façon, je pense que je vais piocher un land. Ah, je pensais pas trade sur Trostani là. Ouais, je pense que c'est fini. Il a trop de Planeswalker. Comment j'ai pu lui filer une Trostani? Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai Mindfart. Ah! Je peux lui virer. Non, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Bon, c'était rigolo ou pas? J'aurais préféré gagner. Bon, putain de caméra de merde. Pas emmerder. Hein. Pas me faire emmerder par la technique. Donc, mais pourquoi elle tombe, cette bitch là? Putain. Je voulais un fond vert pour faire pro et total. Je passe la moitié de mon temps. Bon, alors c'était rigolo, oui, déjà c'est bien. Alors, il joue ça en changeant, je sais pas pourquoi, mais en fait contre lui, c'est pas si mal. Ça, c'est une carte que j'ai dû crafter, c'est une commune que j'ai dû crafter en me disant, mais attends, j'ai ouvert 300 boosters de cette édition. Comment ça se fait que je dois crafter ça? Et parce qu'en fait, c'est une carte du deck de Planeswalker, Gideon d'ailleurs, et qui. On voit Plongeon désespéré, c'est marrant. Et il faut que je me dépêche avant de plus avoir de temps. Et donc du coup, je sais pas ce que je disais, voilà, donc j'ai dû crafter ce truc-là, parce qu'il avait ça dans son jeu, donc je l'ai laissé. Bon, fin déconcertante, c'est bien contre lui. Allez, faut que je me dépêche. Gideon Lame Noire. Ça peut exiler un permanent, mais je crois que c'est pas foufou. Harponneur, il a pas de truc avec le vol. Retour à la nature, il a. Ah, je peux exiler une carte depuis un cimetière, éventuellement, c'est un peu fatigué. Oh, c'est quand même très fatigué si je mets ça. Ouais, en réponse à la machine, là. Ok, Cheval d'automne, il s'en fout. Et Adjani, je peux envoyer des bêtes. Bon, quand, si la situation est bloquée, ça peut être pas mal. Vivienne, je crois qu'il s'en fout. Donc, 3 débarquements, 4 floors. Je vais pas avoir le temps, ça va me saouler. Emara, c'est peut-être très mauvais contre lui. Ça a pas trop fait le taf, mais il me faut des trucs, quoi. Gideon Lame Noire, putain, j'ai. Merde, 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 je vais pas y arriver. L'Oxodon, c'est peut-être pas terrible contre lui. Trostani, c'est quand même vachement bien. Il me reste une carte à virer et ça devrait aller. Retour à la nature, c'est peut-être un peu fatigué, non? Ah, je vais le laisser. 5 secondes, vite, 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 ça va faire une. Allez, une Emara. Je l'ai viré plus parce qu'en fait, très vite, il met un truc qui bloque. Alors, je sais qu'elle peut, avec la convoque, mettre des bêtes. Mais en vrai, elle est vraiment stoppée par quasiment toutes ses bêtes. Donc, c'est pas. Ça n'a pas été très très utile là. J'aurais peut-être dû garder l'Oxodon quand même qui pouvait faire que. Mais. Non, j'aurais peut-être dû garder l'Oxodon par contre, parce que lui mettait des marqueurs plus 1 sur des bêtes avec le vol ou des trucs comme ça. Donc, est-ce que c'est Flore? Ouais, on va faire une Flore tout de suite. Parce que. Je peux peut-être aussi la voir à l'agression. Là, j'ai été très très mou. Mais je peux aussi aller plus vite que lui à le. En le dépassant. Bon, enfin, je dis ça, j'ai une sortie qui est extrêmement molle. On va peut-être même dû garder Flore. Ouais, après, ça me permet de.
d'assurer Trostani tour 5. Ah, c'est plutôt bien ça. Ah, j'aurais dû. Alors ça, là par contre, enfin, c'est pas très grave, mais j'aurais dû mettre la plaine qu'il connaissait, parce que de toute façon là au niveau land j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus de problème de mana. J'ai l'avantage de jouer bicolore, c'est que. Ah putain les gens, vous me dites pas pour ma cam. Parce que vous avez peur que je m'énerve peut-être. Ça vous fait marrer d'avoir des. Vous allez voir, c'est bientôt fini ça. J'ai un play là pour mon setup. De toute façon, est-ce qu'il y a plus ce genre de problème? Parce que c'est vrai que là où je suis. Enfin bon, bref. Pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que c'est chiant. Ok, il renvoie ça. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça se jouera plus en mode contrôle, hein, je pense. Il n'y a pas une grosse sortie. Ça, c'est bien ça. Ça, il faut vraiment que je la fasse value. Je vais remettre un percepteur. Oh, percepteur qui est vraiment plus joué en ce moment. Hein. En fait, je crois qu'à percepteur, je préférerais, si je devais refaire le jeu, je préférerais la petite 2-3 là qui, quand elle se fait cibler, elle pond une 1-1. Vous savez tout le bien que je pense de cette bête. Alors, c'est vrai que contre ce jeu là, c'est pas foufou, mais bon. Bon, il est parti avec ses bêtes explore. On va lui virer, en espérant qu'il n'ait pas joué entrée de désenchantement. On va lui virer un. Ah, il a pas rentré d'enchantement, mais en fait, il a rentré un. Il a rentré évidemment des. Ouais, mais à la limite, je m'en fous. Attends, j'ai réfléchi. Je vais le faire maintenant. Je vais faire Trostani. Est-ce que je m'autorise à me prendre 5 points de vie? Oui, je m'en fous. Trostani Tribunal. Into Marcheur. Comme ça évitera de lui faire gagner trop de points de vie. Ah, j'aurais pu faire ce druide, aussi, ça aurait pu être pas mal. Mais Trostani, c'est vraiment. Trostani. Druida, c'est vraiment un truc qui me fait chier. Putain, ça c'est vraiment un truc qui me fait chier. Et puis peut-être qu'il a pas d'anti-bête. Alors il peut les bouncer avec Teferi, mais je peux lui reposer à la limite. En fait, dans ce jeu, j'ai envie trop de jouer des. Ixalan Binding là. Tu prends 2-3 trucs et il te fait plus chier avec quoi. Prendre une Ixalan Binding sur un Teferi, ça va être tellement bon. Bon, alors ce qui est chiant. Non, mais c'est pas chiant, je peux aller tout droit là. Je peux même lui virer. Attendez, si je lui vire. Il est en death en plus. Si je lui vire marche branche. 3. Non, je peux pas. Ah, c'est con, je peux pas. Je peux pas tuer Tamio. Mais je peux le mettre à plus 1. Ou alors. Mais non, c'est Teferi. Non, non, je pense que Teferi, on s'en fout. Teferi, on s'en fout, donc il faut faire. Attendez. Emara. Emara into tribunal. Voilà. Tribunal into marche branche. Ok. Le focus c'est Tamio. Tamio c'est vraiment la meuf qu'on veut voir périr dans une atroce souffrance. Voilà. Et je mets Teferi à 1. Ah, je suis bien là. Là je pense que c'était le bon play. Tu piles ta Mio, je mets Teferi à 1, ce qui fait que je m'en fous pendant 2 tours. Parce que clairement là, son plus 1, j'en ai rien à faire. Enfin, son plus 1, son passif. Ouais, là, je suis pas mal. Là. Et puis, bah, pour le coup, je le dépasse là. Je le dépasse vraiment. Il est en death. Normalement, ça devrait bien se passer. On va voir si, si c'est le cas. Mais normalement, ça devrait aller. Qu'est-ce que tu peux me tuer avec Vraska? Ah, en plus, ça coûte 4! Infâme, il peut même pas me la gérer avec Vraska. Bon, ça devrait bien se passer. Tu t'endors, Psychotic Raven. Tu peux t'endors bien, la game est quand même sympa. Tu es marre. Ok, très bien. Grand bien t'en fasse. Alors. Donc là, on lui gère ses deux Planeswalkers, c'est sûr. Je mets un Loxodon sur le reste. Je pense que ça va être ça. Donc, toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Vous, vous allez être boosté. Est-ce que vous pouvez pas faire une marge des multitudes quand même? Non, j'avais laissé l'octodon. Bah, très bien, très bien. Il a compris. Il était en death, enfin, il y avait rien qu'elle est. Mais du coup, effectivement, je vais refaire un peu ma réserve. Je voulais. Ouais, non, j'ai pas viré tous les octodons. Bah non, bah. Putain, je l'ai. Ça avait pas pris là, en compte le. Ça avait pas pris en compte le side. Ok, c'est très marrant. Adjani. Est-ce qu'Adjani est bien? Ouais, Adjani est pas mal quand même. Gideon. Je sais pas si c'est bien Gideon. Peut-être pas mal, je sais pas. Bon, ça c'est pas bon, il joue pas de vol.
Ça peut être bien sûr en réponse à une Tamiyo, mais c'est quand même un peu fatigué. Vivien Raid, elle peut être pas mal parce qu'en fait la situation peut se bloquer et au bout d'un moment, si je vais quand même mettre Vivien Raid si la situation se bloque. Et ça, c'est pas bon. Donc du coup, je vais virer Mesemara. Je pense pas que ce soit une bonne carte. Dans le fond, dans le. 4 Gideon, est-ce que c'est pas un peu too much? Oui. Je pensais pas que ça allait en jouer deux de base, je les avais pas vus. L'Oxodon, on veut les garder. C'est vraiment. En fait, là, je joue. Je vraiment là, je contrôle, quoi. Il me reste 6 cartes. Ça peut être bien, en fait, en vrai, pour faire passer. Je comprends un peu pourquoi il les fait passer. Enfin, pourquoi il les joue. Tu fais ça sur une 2-2. Mais ça peut tuer des Teferi, ça. Allez, faut que j'arrête de tergiverser. Percepteur, ça met des 1 vol. Bon, j'ai rien regardé, rien que pour ça. Gideon, est-ce que c'est vraiment bien contre lui? S'il est en mode aggro, bof, hein. 3 cartes, putain, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Je vais virer quand même un Loxodon. Tribunal, il faut que je le laisse, évidemment. Adjani, bon, allez, on va mettre qu'un seul. Histoire de Benalia, c'est peut-être pas terrible contre lui, en fait. C'est peut-être histoire qu'il faut que je vire. Qui est peut-être pas foufou contre lui, finalement. Du coup, j'aurais à remettre ça. Et il reste 5 secondes. J'ai 61 cartes. Histoire de Benalia, je vais en laisser une terminée. J'espère que c'est passé. D'ailleurs, c'est pas passé. Alors, Olivier, je t'ai envoyé une liste de Célestiens dans le partage d'Eclipse sur Discord. Je pense vraiment que la liste est mieux. J'ai vu Despraz la jouer. Ah bah, si Despraz, qui en plus est plutôt en mode Sultai, a joué une liste de. Ouais, je veux bien. Je veux bien, je veux bien la voir. Très bien. On va aller voir ça dans le Discord tout à l'heure. Une main qui attend des choses, qui attend des landes notamment. Qui est peut-être du coup peut-être un peu risqué en fait. En vrai, si je me fais tuer bêtement, bon, ça va peut-être m'aider un peu à résister, mais ce serait trop bête de. Parce que là, j'ai une main qui est bien, mais alors il faut vraiment que les landes arrivent, quoi. Après, c'est pas un jeu qui est très agressif hein, en face. Et puis moi, je vais devoir mettre 2-1. Ça va déjà bien se passer. Pas de kick, je pourrais pas. Finalement, tu ne construis pas le deck avec la Jhany de War. Oui, si. Ah, c'est vrai que t'avais suivi ça, Timiak. Salut à toi. Oui, j'avais dit, hein, on est à la fin d'un stream. Vous allez voir, je reviendrai avec un deck à Jhany blanc-vert. Il est sous-joué, c'est dommage. Ok, j'ai fait plusieurs versions du deck. Et j'ai arrêté. Il y a peut-être des trucs qui sont bien, hein, mais toutes les versions que j'avais étaient dégueulasses. Enfin, ça me dit rien. Bon, j'ai de la chatte de piocher mes landes. Et du coup, on va pouvoir directement faire une petite tribunal du conclave. Et je pense que cette partie s'annonce sous les meilleurs auspices. Ça attaque, ça, non? Non, ça veut bloquer. Et encore, est-ce que ça veut bloquer? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mon Tamiyo me refait le cul. Mais. Là, il va fizzle, regardez bien comme il fizzle. Voilà. Et ensuite, moi, au tour d'après. Oh! Oh, j'ai ma petite secrète tech contre Tamiyo. Moi, au tour d'après, je peux faire un Adjani qui met 2+. Ouais, j'ai plutôt envie de faire tribunal là, c'est con, mais. Ah, j'aimerais bien caster un Adjani parce que c'est pareil, si la partie s'éternise et que je lui sors Adjani l'ultimate, est-ce que je risque une Tamiyo? Et qu'est-ce qu'il a révélé? Une autre Tamiyo. Ah, je suis un peu greedy là, j'ai envie de mettre un Adjani. En plus, il a une autre Tamiyo en main. Du coup, j'aurais rien fait. Je mets Adjani. J'ai rien à récupérer. Ah si, j'ai pas. Non, Emara s'est fait. Bah non, j'ai pas joué. Ok, je fais plus un. Sur les deux. Et en fait, je crois qu'il faut même pas que j'attaque, malheureusement. Mon but, en fait, là, c'est de protéger Adjani. Enfin, c'est un de mes plans. Un de mes plans, c'est de faire Adjani. Et s'il me la gère pas assez vite. Ce qui me dirait, c'est quand même un deck qui est un peu combo qui doit mettre plein de. Oh, attendez que je regarde. La massacreuse, ça m'aurait tellement fait chier. Encore que la massacreuse, j'avais quand même Adjani qui était up. Ah, ça va, ça tient, ça tient. Mais au bout d'un moment, Tamiyo, il faudra lui faire quelque chose. Hein. Je pense qu'elle va se prendre son tribunal, malheureusement. Le problème, c'est que. Ouais, non, elle peut prendre un tribunal.
Est-ce que si j'ai un land au prochain tour? Ouais, si j'ai un land au prochain tour, je peux faire tribunal. Trostani tribunal, ça peut être pas mal. Ah, j'ai pas le choix, je dois bloquer. Ouais, un land. Ah, infâme. Ah, oh, c'est horrible ça. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Mais on va pas tergiverser, on va faire tribunal. Et puis tant pis, Adjanis prend des points et puis basta. Marche à 1, c'est vraiment dégueu. Bon, tant pis. Donc, ça, là-dessus, ça me paraît bien. Toi, mon petit bonhomme, tu vas avoir un petit plus 1. Est-ce que là, s'il fait un... Ah ouais, putain, s'il fait une commandée avec Tamio. Tamio et commandée la Horde, c'est tellement deux bons potes. Bon, je le sens moyen, là. Parce que là, il a vraiment pris l'ascendant. Ouais, il peut du coup bouncer. Il va récupérer Tamio à tous les coups. Ouais, c'est fort. C'est fort. Oh là là, il a mis des bons tournois contre moi en plus. Oh là là, ça va être dur, les gars. Ça va être beaucoup trop dur, là. Ça va malheureusement être trop dur. Je pense. Après, Adjani, mine de rien, pour l'instant, il résiste, ok. Parce qu'il a rien pour gérer Adjani. Ah bah si, il va m'attaquer. J'étais en mode, il va me casser ça, mais non. Oh putain, pire, j'ai pas de chat. Non, je pense que c'est mort, là. Malheureusement, j'ai raté ce land, mais bon, après, j'en ai pas joué beaucoup. Malheureusement... Tribunal, faut que je le fasse sur bon. Ah, je vais essayer, hein, mais. Tribunal, c'est évidemment sur bon tournant, sinon de toute façon il en tue un. Ah, j'aurais pu faire retour. J'aurais pu faire migration. Ah merde! Oh, quel con! Oh merde! Ouais, si en plus il joue mal. J'aurais pu faire migration qui du coup. J'aurais pu quand même faire un truc, mettre le plus de sur les bêtes. Ah, j'ai déconné là-dessus. Merde. J'étais en mode c'est soit l'un soit l'autre, j'avais oublié la convoque, putain. Sorry. Il y a deux commandés là-haut. Voilà. Je résiste, mais en vrai, c'est mal barré quand même. Si j'étais arrivé à l'ultimate d'Adjani, j'aurais aimé en fait en refaire une contre lui, quoi. En mode, qu'est-ce qui se passe si en fait mon plan contre lui, c'est pas de jouer des Vivien Raid, des Adjani, et d'arriver jusqu'à l'ultimate en chump bloquant. Et après dire bah voilà, maintenant j'ai. Alors soit je fais 3-1 par tour, lien de vie. Soit je toutes mes bêtes ont. Alors c'est encore pire ça. Plus de vigilance, pétinement, indestructible. Donc avec toutes tes bêtes, comme un connard, attaque à tous les tours, comme ça. Bon, et là ça va être la fin pour ce match. Ah, rituel de suie. Ah si je joue rituel de suie, je suis plutôt là. Est-ce que j'attends de piocher quelque chose? Allez, putain. Allez, mais en fait, je peux rien faire moi, donc ok, d'accord. Bon, allez, 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 ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, alors on va regarder vite fait la liste, effectivement, Little Monkey, pour voir ce que JE nous a préparé comme decklist. Alors attendez. On va aller dans mon Discord. Hop. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, j'ai un Discord maintenant. Depuis quelques jours maintenant, peut-être une bonne semaine. Ou peut-être un petit peu plus, bon peu importe. Qu'on a un petit peu amélioré avec les admins notamment, que je salue. Alors, Yoshigo m'a envoyé un truc, ça lui dit, il faut que tu regardes ici si les configs sont ok. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Soe qui me dit... Ah, Soe a fait mon petit... voilà, je vous aurai ça demain. Vous verrez. Et ensuite... Ah, mais du coup, je l'ai... Ah putain, je l'avais pas vu, j'avais pas allumé mon... Du coup, j'avais pas fait le... Bon, ceci vu le fake que ça a été. Bref. Alors, je vais sur mon compte à moi. On partage le decklist. Et du coup, Little Monkey... Ah ouais, mais mec, en fait, t'as fait... C'est un screen que t'as fait. Ah, il joue 3 Legions Landing.
Ah, c'est infâme. Je pensais que c'était une liste quoi. Attends, je vais pas rester sur cet écran de défaite là. Ah oui, c'est compliqué. Donc je vais pas le faire là, mettre les cartes une par une, ça va vite me gaver quoi. Enfin, en fait, si j'étais pas en stream, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais là, le fait que je le sois, je vais pas. Bon, on verra ça demain. Sinon, je vais la faire demain et puis voilà. Attends. J'envoie le code après ma game. Ouais, non, pas de soucis, pas de soucis. On voit ça demain gentiment. Bon, et bah du coup, demain, je pense qu'on finira le Momir, si j'ai pas fini d'ici là. On jouera effectivement donc la liste de Jean-Emmanuel qui est peut-être une version un peu plus améliorée que cette version-là. Je vois que notamment il joue une carte qui a l'air intéressante, c'est. Ah, attendez! Attendez, 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 je l'ai. Alors on va faire ça tout de suite. Merci monsieur. Merci tout le monde qui. Donc du coup, importer. Évidemment j'étais en anglais, c'est ça? Oui. Ça c'est pas grave. Évidemment qu'ils mettent un truc pour reconnaître quand même la langue et pas nous faire chier. Ah, il manque une carte. Enfin, une carte, je dis une, mais. Il manque un Immortal Soul. Ah merde! Mais en plus, c'est un peu la carte clé en ce moment. Ah, je peux même pas le crafter. C'est dans quoi? J'ai un booster. On le tente ou pas? De la pire extension, quoi. Get pack. Je suis en anglais en plus, ça me saoule. Alors, on recommence. Graphique. Français. De toute façon, on se saisit, il n'y a pas besoin de l'avoir pour parler de la liste. Hein. J'ai parlé vite fait ça. Je prends un booster, mais regardez bien. Là, j'ai besoin d'un soleil, qui effectivement paraît être une bonne carte du moment. Et là, il suffit que j'ouvre un booster Exalan. C'est pas compliqué. Hein. Et paf! Ouais, j'aurais préféré une mythique. Et paf, ça fait des chocs à pic, regardez. Allez! Ah, fin de Vona! Très bonne carte! Bon. Bon, bah, regardez juste vite fait la liste. Tant pis, de toute façon, je vais pas le jouer tout de suite. Donc, dans cette liste, il joue 3 débarquements au lieu de 4. Un Tomic, ce sera pas con, parce que Tomic est vraiment chiant contre. Bah déjà, on a vu que les bêtes qui volaient, c'était assez value en ce moment. Et ça peut tuer des Planeswalkers notamment. Et ça peut passer toute une horde de bêtes qui ont. Comment ça s'appelle? Qui explorent. Et puis donc, ça bloque Nissa. 3 Lieutenants d'épines. Ah, je l'avais dit ou pas? Je l'avais call. Hein. Cette carte, c'est vraiment, je pense, une nouvelle bonne carte. Enfin, une carte qui était bonne à un moment et qui redevient bonne. 4 migrations, c'est la base. 3 Zemara, ok. 1 Gideon, d'accord. Une histoire. Une. Ah non, 4 histoires. 1 guide de circonscription, d'accord. Ok, donc ça c'est pour se. Ouais, ok, d'accord. J'imagine que c'est pour se stabiliser un petit peu. Puis ça fait aussi un bloqueur, bon. 4 tribunal, c'est normal. 4 Loxodon, ok. 3 Trostani. C'est vrai que c'est une bonne carte en plus en ce moment. Avec, bah, entre les commandes et la horde, effectivement, on peut éventuellement récupérer nos trucs. Et les. Bon, de toute façon, c'est très bien dans ce deck-là, hein, de base. Mais c'est aussi bien contre les petits dodos, là, les petits vampires, là. Les spectres, qui nous piquent des trucs. Deux soleils immortels, ça paraît très bien dans un jeu qui joue zéro Planeswalker. Et en plus, même si le mec. A, même si en face, mettons, il a pas de Planeswalker, ça met quand même plus en plus un à toutes nos. Enfin, c'est vraiment une bonne carte, en fait, en ce moment. C'est vraiment la carte du moment. Mais peut-être qu'il a du coup mis peut-être plus de land, parce que là, on a vu que. Avec 21 land, c'est quand même un peu serré. Il a mis 12. Non, il a laissé à 21 land. Alors, c'est 21 land plus 4 floors. Hein. C'est potentiellement 25 land. Non, mais ça doit être plutôt bien. Hein. Ah, que 2 marches par contre. Après, c'est vrai que c'est. Ça peut être overkill parfois, ou ça peut être inutile. Je peux comprendre que ce soit plus vraiment la carte totalement maîtresse. En fait, tu préfères effectivement mettre des soleils. Aller dans quand même des trucs qui mettent pas mal de tokens. Et puis finir par des soleils ou des Trostani. Et en side, on a 3 fins déconcertantes, un Tomic, 2 longues vues, ce qui paraît bien effectivement, 2 Gideon, 2 Royaumes Carcérales, 3 Chevaliers de l'Automne, oui, un Adjani et une autre marche, au cas où ce serait quand même bien. Ouais, bah écoute, je te stresserai demain, avec grand plaisir, je vais essayer d'ici là de récupérer un. Ouais, ça me fait chier de remettre de l'argent, j'ai quand même beaucoup beaucoup de thunes là-dedans. Mais en même temps, ça me fait chier de me dire que bah du coup, je peux pas faire un deck rien que pour ça. Enfin. Pas finir un deck 100%. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, je me suis. Alors, c'est pas de leur faute, hein, mais à cause de Max, je me suis crafté 4 merguez comme ça, là. Voilà, 4 mythiques en moins, merci. Et à cause de Samy, mais je n'en veux pas parce que c'est un bon deck, hein, je me suis crafté des Kefnet que je jouerai plus jamais. Enfin, bref. C'est pas grave, je leur en veux pas, évidemment, c'est pour rien. Je vais vous quitter, putain, mais on est déjà 1h40. Ouais, même pas le temps passé. Je peux proposer un raid. Propose un raid si tu veux. Allez, vous êtes toujours une bonne 80aine, on va raider sur quelqu'un. C'est bien aussi parce que c'est vrai que je me suis fait beaucoup raider, mais j'ai pas encore raidé
Enfin, j'aurais de moins que je me suis fait raider. C'est quand même un peu dommage. Je trouve que le principe est très sympa. On va essayer donc ces syndromes TTV, c'est ça? Ils sont combien là-bas? Ils sont 9. On va leur filer un petit coup de main, même si évidemment je sais que vous resterez pas tous, bah, notamment parce qu'il est tard. Moi-même, je vais. C'est un mate, c'est un pote à Psychotic Raven en plus qui est un de mes amis, donc du coup, pas de souci. On va leur faire un petit coup de boost, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est sympa de voir la réaction. La réaction du mec de, c'était quand avant-hier, était assez sympa. En mode assez humble, ah bah c'est cool. Ah bah du coup, franchement, j'avoue, c'est cool. J'ai ce petit potentiel, moi qui à la base, bah, part de très petit, de pouvoir ramener pas mal de monde sur une chaîne, c'est plutôt sympa. Et en fait, en ce moment, il y a vraiment. Enfin, pour l'instant, il y a vraiment une bonne entente entre les streamers MTG Arena, ça c'est plutôt cool. Des mecs qui raident, des mecs qui font des événements à plusieurs. Enfin bref, je peux parler Milan. En tout cas, pour l'instant, la commu est cool. Comme en fait, il n'y a pas encore d'immenses trucs. Il y a pas encore, c'est pas encore pris par. Bon, je vais pas faire la politique. On va les raid. Je vous dis du coup à demain. Si je fais ça, ça marche. Voilà. Dans 10 secondes, je vous envoie là-bas. Merci à tous d'être là. J'espère que demain, normalement demain, on ouvre un Streamlab qui va être super beau. J'ai plein de gens qui vont pouvoir m'aider l'après-midi pour pouvoir faire que le soir ce soit propre. On va raid chez Syndrome TTV. Faites-leur bonjour de ma part. À plus, ciao. Rofegos qui nous raid à hold up avec 64 joueurs. Salut, bonjour à Salut. tous. Bonjour à tous, la surprise de fin de soirée à 2h-20. On est là-dessus. Donc il y a du bon son ici en plus, mais bien